Voilà, il n'y a pas eu trop de... Comment ça s'appelle? D'intro, de machin. Pas le temps, il est déjà super tard. Hop. Hop. Alors maintenant c'est là. Là. Pas là. 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 Allez. Oh, il y a fou le monde de connectés par contre. 02, il est pas en service. Je partirai avec 28 en attendant. Un typique de lancer. Ouais. 21-18. Alors. Allez. Bonsoir, monsieur le procureur, mes respects. Oui, vous avez vu déjà avec 50 ou pas? Avec 101? J'ai vu avec 101, elle est disponible que demain. Mais de toute D'accord. façon, en fait, t'as 101, faut qu'elle soit informée de l'affaire et étant donné que j'ai aucun rapport qui est sorti. Et vous vous êtes transmis normalement? J'ai déjà 30, 20 et 02. Sur les 5 rapports d'arrestation, j'en ai un disponible. Et les auditions, il me faudra au moins les audios. Pour que je puisse les faire écouter à 101. Alors, le rapport de Gatineau, normalement le capitaine va vous le transmettre. Monsieur Gétineau, il est déjà fait le rapport d'arrestation, il est dans les attentes de jugement. Oui, Il y c'est a moi que qui l'ai celui-là. fait. Vous avez le relais Il d'audition dedans, non? y a que celui-là. Oh, je vous avoue, je l'ai pas ouvert. Vous avez mis l'audition dedans? Il me semble que oui. Ok, bah parfait alors. Ah oui, c'est bon. Voilà. Les autres, j'ai l'audition de Monsieur Salazar, mais entrecoupée. Je l'ai fait avec ma bodycam, donc il y a des parties que je n'ai pas, mais 20 les a normalement. Donc faut voir avec 20 après. Ok. Mais je sais que 20 là, c'est un peu plus long le temps qu'elle traite les auditions. Ok, ça marche. Donc ouais, j'aurai tout le monde de toute façon en audition, je leur transmettrai un dossier, De un toute document pour les façon, convoquer. bon, je vous dis pas comment faire votre boulot, hein, mais logiquement, il faut qu'elle convoque. En audition 102, enfin 02 et moi d'abord. Hein. Vis-à-vis des informations qu'on avait au préalable. Et pourquoi on a orienté certaines questions lors de l'audition de Monsieur Salazar par exemple. Oh. Excusez-moi. C'est pour cœur? La fin de votre phrase. Disais, il faudra quand même que 101 convoque 02 et moi-même en audition dans un premier temps, histoire d'évaluer le pourquoi du comment. On a tout de suite stoppé notamment l'audition d'hier en attendant que vous arriviez pour l'accord, etc. et pour qu'on orientait ces questions. Ouais, ça marche. J'ai oublié de prendre mes dotations, j'arrive. Vous avez autorisation de prendre un Glock ou un pistolet de combat? Merci.
Vous voulez me dire autre chose? Ouais, juste deux petites choses. Il y a 03 qui m'avait fait une demande de d'EmergeCon 3. Ouais. Juste à l'avenir, si c'est plus, si c'est possible qu'il les fasse, enfin, que s'il y a des officiers qui font des dossiers comme ça, les remonter au capitaine, que ce soit lui qui me les donne en main propre. Comme ça, je suis sûr que, on va dire que tout le corps de commandement a eu l'information. Ouais, Juste pour ça. je transmettrai. Et du coup, ça a été refusé. D'accord. Par contre, vous pouvez légitimement mettre des gilets pare-balles normaux. Alors, Si. après, je vais vous le dire honnêtement, monsieur le procureur, mais respect 22. Respect, monsieur le RSP. procureur. Et C'est 22, hein? respect Je tout suis le pas monde. fou. Non, c'est 10. 10, je Ah, bien savais. respect 10. C'était pour voir si Je vous suis suiviez. 21. Ah, mais tout le monde confond avec lui, donc. Ça, c'est le képi, hein. Va falloir faire en sorte de l'enlever à terme, hein. Bah, j'aimerais bien l'enlever, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Bah, il faut bosser plus dur. Mais Là, vous perdez votre temps, là. je viens d'avoir mon PPA. Bah, là, vous perdez votre temps, là. Ah oui, c'est vrai. Optimisez, faites des pompes au moins. Ouais, je vous dis pas le sport que j'ai fait aujourd'hui. Hein. Ça suffit pas. D'accord. On disait? On parlait de l'Emerscott. Ouais. Ouais, mais de toute façon, j'ai déjà donné des ordres avant même avant même d'avoir cette réponse. Hein. Mes respects, va. Mes respects. Mais oui, comme je disais, mes respects. Hein. Cheveux d'orange? Non, non, pas du tout. Même sans Non. Mes ESP. respects, 51. Même sans EmergeCon, vous pouvez avoir de vos gilets normaux sur les interventions. Et si pour Alors, les tout ce qui est honnêtement, contrôle je vais vous le dire, hein, j'ai déjà donné des ordres. C'est interdiction de Lincoln jusqu'à nouvel ordre. Et sur les interventions, on est beaucoup plus sec. Typiquement, on a eu une altercation avec. Bah, là, vous avez reçu votre mail hier, là. Avec du coup des latinos habillés en bleu Aïe. qui clairement je suis sorti de la voiture avec l'arme en main, y a plus de calcul, hein. De toute façon, étant donné qu'il n'y a plus de Lincoln, c'est un agent avec taser, un agent avec une arme létale. Je veux pas vous mentir que s'il y a deux agents avec l'arme létale, ça me choquera pas non plus, hein, au vu des circonstances, hein. Les deux derniers rookies qui manquaient les pépères, on les a eu à l'instant. Tango 51 composé composé de 51 10 Mes et respects. Mes respects, 22 capitaine. situant à secteur sud. Capitaine, l'Emercon a été refusé. Capitaine, il faut rappeler aux officiers qu'ils doivent faire la demande auprès du corps d'encadrement avant de le soumettre au procureur directement. Et que monsieur le Tango procureur souhaiterait 51 que ce soit vous qui 10 fassiez les situant à demandes directement à secteur monsieur le 2. procureur plutôt qu'à un officier. Voilà. Merci, capitaine. Monsieur le procureur vient de me le dire, il m'a demandé de vous le transmettre, donc je vous le transmets, capitaine. Capitaine, on n'a pas d'audition à faire, normalement on peut partir en 10-41 si vous le souhaitez. Quoi, ça n'a pas d'audition à faire. On n'a pas d'audition à faire ce soir. Pas ce soir, non. Monsieur Pas ce Brandon, soir. c'est toujours pas arrivé? Bon, pour le moment, j'ai pas de nouvelles. Ok. Mais je viens d'arriver donc. 02, pouvez me confirmer que sur votre rapport, là où vous avez marqué la firme, vous n'avez pas eu les identités des personnes? Pas toutes. C'est du coup, on a des palpations et compagnie, mais on ne sait pas qui détient quoi, donc. Tout seul de la C'est. firme, ils avaient des pistolets et Salazar avait un pistolet et Gatineau avait le calibre 50. Donc dans tous les cas, tout le monde avait un pistolet sur les lieux. Le truc, c'est qu'il y en a certains qui ont leur PPA, je crois, et pas d'autres. Il me semble que Monsieur Frost a son PPA. Eh ben, il lui sera invalidé. Oui, il lui Ok. sera invalidé, mais de toute façon, il avait quand Ça même un marche. pistolet. Ok, je fais ça au plus vite. Le truc, c'est que j'en ai trois à faire et que c'est compliqué à. J'ai pas envie de louper quoi que ce soit. Ah, pas de soucis. De toute façon, Tout à ça fait. sera pas ce soir, donc si je pense que le procureur est prêt à attendre jusqu'à demain, si au besoin. Ah oui, y a pas de Oui, problème. demain soir, en début de service, ça sera fait, y a pas de soucis. Bon, voilà, pour pas plus. Ok. Très bien. Vous étiez avec des rookies, là? J'étais avec 77 et 51, 51 récupéré de rookie, et je vais repartir avec 77. Ok, 77, si vous le jugez prêt pour pour passer son académie, ça serait bien de lui poser une date. Je lui dis demain ou après-demain, c'est comme il préfère vu que ça fait plusieurs jours qu'il n'ait pas été présent. J'ai pas envie qu'il soit rouillé. Mais le Ok. seul truc aussi, c'est pareil qu'on avait parlé avec lui et 03, c'est son comportement Tango qui est 51, 10, 23 et 10 situant un peu secteur froid et sud. sec, on va dire. Vous savez, ça sera plus utile pour lui s'il arrive à. S'il peut partir sans avoir besoin forcément d'être toujours accompagné, etc. Bon, là, actuellement, de toute façon, il n'a pas le choix. Vu les ordres qui ont été donnés, mais globalement, ça pourrait peut-être le calmer. Si ça le Bah, calme pas, vous savez. Regardez. c'est juste que Vous savez, là, lui, on était là. en pote. Vous savez, lui, là. Lui, il peut prendre les plaques et faire. Va te faire foutre, enculé, là, hé, tête de mort! Je sais, mais le truc, c'est que là, on était en patrouille, on l'a laissé conduire, manière de savoir si vraiment c'était bon. Et genre, il a pas hésité à rentrer dans le quartier Ballas
Et à dire oh, non, non, je dois aller jusqu'à la raquette, non? Ouais. Voilà, donc il y a 2-3 trucs encore à régler. Et puis après, ça, c'est peut-être de la méconnaissance plus qu'autre chose. Hein. Non, non, je pense que 77 est un peu trop sûr de lui en fait. Oh, bon, j'ai peur que ça lui porte préjudice. Broyez-le. De toute façon, qui soit sûr de lui, il sera vite rattrapé par la réalité. C'est ça, broyez-le, hein, au pire des cas, vous savez comment ça marche. Bah, hein. Ça a déjà été fait, sauf qu'il nous a pris un peu pour des idiots avec 0-3 la dernière fois. Donc, Bah, quand c'est comme ça, faut peut-être me le faire remonter. Comme ça, je le fais venir dans mon bureau, vous savez comment ça se passe. Une fois, pas deux. Oui, je sais, mais justement, je veux que s'il vienne dans votre bureau, ce soit pour une bonne raison. Un truc que je peux pas m'occuper en fait. Je vous laisse gérer. Vous êtes sergent, vous savez oui. Ce que vous faites. Hein. Oui, bon, ça a été compris, mais oui, il est. On va dire qu'il est froid. C'est tout. Je suis pas très chaleureux non plus. Hein. Et il m'appelle chef, comme si. Vous teniez un kebab? C'est ça. Très bien. Maître kebabier, capitaine 302. Maître bah, kebabier. Vous êtes froid aussi, 21, mais vous parlez. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dépend, hein. Il y a des moments où je parle pas du tout. Hein. Et puis des fois, ouais, un peu trop. Non plus. Comment ça, un peu trop? Bon, je vais vous attaquer en diffamation. Bon, allez, sur ce, j'ai du boulot, j'ai des papiers, j'ai bon. Ouais, allez faire votre boulot, ouais. Mm-hmm. Dernière précision, ouais. Lieutenant. Tortas la menace, c'est Aldo Salazar. Aldo Salazar, merci, j'avais un doute. Ça vous avez vu tout à l'heure ou pas? Je viens d'arriver, hein, littéralement. Ah, pardon, excusez-moi. Ça se menace entre Vagos. Entre Vagos Mara. Et Mara. Et on a. Bah, Tortas la menace qui est clairement Tortas la menace sur Twitter. Hein. Pas se mentir. Hein. Bah, c'est une sacrée menace. Hein. Pas yé. Elle a bégayé quand je l'ai comme noté devant le poste de flic l'autre jour là. Ah bon? Bah, il comprenait pas pourquoi il se faisait arrêter quand je lui dis qu'il avait tapé sur des gens. Ah oui. Il s'est bégayé fort. Ok. Ça a été hier soir après? Avec Monsieur Salazar? Ça a été. Ah non, avec les marins là? Oui. Bon, après, vous savez, on allait au Bénis, il y avait 28 et un rookie, mais je sais plus lequel. 22, je crois. Oui, 22. Mm-hmm. On les a croisés là-bas, ça a été correct. Puis après, on est rentré au poste, on allait dormir, donc... Ok, ok. Bon, ça va. Bon, attendez-vous à ce qu'il recommence ce soir, hein. Mais s'il recommence ce soir, de toute façon, on en embarque un ou deux, on les emmène devant le procureur, hein, histoire qu'ils commencent à comprendre tout ça me fatigue. Ah, ben, ils ont fait une CPA 3 dans une panto tout à l'heure. Ouh, mais ça, après, c'est toute une autre histoire. Mais les provocations... T'as 2 minutes quoi. Ah bah ça, très bien. À base de. Mais pourquoi vous avez votre arme dans main? Bah parce que vous m'avez tapé dessus hier. Oui, on est d'accord. Mais merci, vous ont ben, tapé aussi lundi soir du coup? Ouais, ouais. Oh. Mais c'était où quand vous m'avez pas dit? À la salle de sport. Encore? Bah c'était. Ils nous ont tapé à la salle de sport avant-hier et ils nous ont tapé hier. Bon, on est passé à la salle de sport il y a. Quoi, une bonne demi-heure, je crois, il n'y avait personne, donc... Ils doivent encore dormir, je pense, bref. Ok, bah c'est tout bon pour moi. Si, c'est tout. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Bon. Je veux des blouses, moi, je veux des blouses. Bon courage. À vous aussi. Bon, bah allez, patrouille. Bah c'est par là-bas, les voitures, capitaine. Des audios, ça suffit, hein, les auditions. Ah oui, sauf que j'ai mon PC qui n'est pas de toute première qualité et c'est long pour moi. Ouais, je comprends. Très très long. Genre continue à bosser, on vous offre... continue à bien bosser, on vous offrira peut-être un dictaphone. Et une machine à écrire. Je l'ai déjà ça. Une dactylo, directement. Mm-hmm. C'est temps que vous perdiez mon temps. Super. Ah, on est généreux, vous savez. Ah 51 me dire qu'il y a 7 marobélises. Oh ouais, capitaine, c'est bon, on va pas aller les chercher quand même, pas dès le début de soirée. Je vais aller frapper. Non, non, capitaine. Pas dès le début de soirée. Après, c'est vrai que notre véhicule a peut-être besoin d'une petite révision. Adam 02, composé de 02 et 21, 1041, secteur sud. Adam 20, composé de 20, 77 et 1041, secteur sud. Va peut-être me falloir mettre en service sur l'effectif, je l'ai peut-être pas fait. Je m'en occupe, vous inquiétez pas. Alors, 10-41 sud, là, en Lima.
Je regarde un peu, je cherche. Bah ouais, c'est pas forcément super facile à trouver, je crois. Mais... Après, je vois que j'ai pas trop cherché non plus. C'est bon, je vous taxerai pas de la bouffe aujourd'hui, capitaine. Je passais à la super attire ce soir. Je vous entends. Vous pouvez chuchoter un peu moins, s'il vous plaît, capitaine? J'ai plus de bouffe, putain. Ouais, ouais, circulez là-haut. C'est bon, je le vois venir avec son van, le gars. Pour nous kidnapper, ça. Lincoln 51, actuellement 10-14 de la dame 10, composé 10 et 22, 10-19. Ça compte la pourrie, ouais, ouais. On aurait peut-être pu la mettre à pied le temps que l'histoire se règle. Non. Non. Non, parce que s'il y a des preuves, quoi que ce soit, on a déjà 20 qui est déjà une assez grosse source de potentielle destruction de preuves. Et de vous à moi, normalement, tant qu'on n'a pas de preuves plus que des témoignages de personnes qui sont quand même limite, on va dire. Ça pourrait nous porter préjudice si nous attaquer en justice derrière. Lincoln 51 et Adam 10, 10, 23, 10, 42. Faut laisser au shérif toute la procédure, la mise à pied, etc. Au shérif et au procureur, c'est pas à nous de le faire, sinon ça constituerait potentiellement un vice et on pourrait nous attaquer pour ça. Bon, je préfère garder les millions qu'on a dans le coffre, capitaine. Bien au chaud. Faut que j'appelle Monsieur Morel. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. Dame 02 10 97 EMS 10 23 10 6 simple. Profitez pour demander des nouvelles de notre cher ami Monsieur Brown. J'ai vu personne à l'accueil à part Martine. Et l'autre chinois là. De toute façon, moi je vais au bin. Ah, bonsoir, est-ce qu'il y a Monsieur Morel qui est disponible? Je peux vous demander pourquoi vous êtes passé par le bas? Parce qu'on est garé en bas. Oui, mais il y a de la place devant. Oui, mais on allait sur le parking en bas pour une raison très simple, hein, c'est que c'est un parking public. Oui, c'est pas légal. Et que c'est mieux que ces parkings-là, là, où techniquement on est sur un trottoir. Et où on se fait foncer dans notre voiture, on doit la réparer quand on sort de l'hôpital ou du bin. Du coup, est-ce que M. Morel est dans le coin? Non, je suis la seule pour l'instant. Est-ce que vous pourrez lui dire de m'appeler quand ou de mettre un message sur le poste poste okay, LSPD? C'est pour le lieutenant 21, il sait pourquoi. C'est pour sa formation Eagle. D'accord. Ah oui, ça c'est intéressant.
Ben c'est pour vous pouvoir me caler avec lui, pour savoir quand est-ce qu'on peut faire les prémices, les sons simulateurs après derrière, etc. D'accord, je reparlerai. Il y a le gars du BIN là qui est là ou pas? Parlerai. Oui, il y a quelqu'un, oui. Let's go, excusez-nous. Oh, pas de soucis, allez-y, faites. Profitez-en. Hop, 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 police! Bonsoir, C'est vous. je peux avoir de café de donut, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous prenez sur le contrat ou pas du tout? Non, je prends tout sur moi. Le contrat, je laisse aux agents qui n'ont pas d'argent. Et Ouais. je paye aussi pour le capitaine. Je vous laisse choisir ce qu'il veut. Enfin, je laisse choisir ce qu'il Attendez. veut. Let's Je suis sûr et certain que ce que vous avez sur le call, c'est proportionnel à votre prime. Donc moi, je dirais que ça fait 10 000. Donc vous avez 4 trucs. 4 carrés, ça fait hop, 40 000. Adam 22, 23, 18, Et parce que vous êtes lieutenant, il y a 60 000 en plus, du coup, vous Donc faites 100 000 dollars ça par peut faire semaine et 10, vous faites 23, 6 PDPRH. Adam 50, 180 000. 23, 18, Ah, vous êtes loin du compte, il fait 1 million et moins 1,5 million. Oh putain! Et ouais. Vous allez prendre Ouais. votre retraite là. Ah non, mais c'est les primes de risque, hein. Ouais. Et on se risque beaucoup. Oui, du coup, un café, j'ai Deux cafés deux pour cafés moi. de donuts Ouais, pour. deux cafés de donuts pour moi et capitaine, je vous laisse voir avec lui. Moi je veux bien. Non, pas sur le contrat. Moi je veux bien 3 sandwichs poulies. Poulie. Oui. Avec 3 cafés. Sans problème. Alors. Et bonsoir. Vous allez bien? Non. Bonsoir. Bonsoir. Le dynamique duo. Tsarski. Tranquille ou quoi, les gars? Ça va et vous? On est là, c'est un compte de Rami de ouf. sa blessure. Bah. Chute 0-2, s'il te plaît. Bah. Ouais. Oh les sales bêtes! Ah mais sérieusement, ça va mieux? 51, bah ouais, ça va. 51, rejoignez-moi au cellule vite. Bah j'en suis tout à fait ravi. Escadre arrive. Tout à fait heureux. Et c'est sincère pour le coup, hein. Ah ben merci, ça fait plaisir. Comparé à d'autres personnes, par exemple. Je m'en fous. Va te faire enculer, 02, hein, je te le dis. Hein. 31 pour 20, votre fin. Cellule et préparez une voiture, dépêchez-vous. Tu vois, j'allais venir te payer un café, ben le café, tu te le fous là où je C'est déjà pense. moi Hein. qui paye. Ça marche. Au plaisir de se revoir très vite, monsieur Frost. D'ailleurs, j'espère que vous êtes prêts pour la suite, hein. Ben, non, je vais fuir, parce que j'ai prévu de casser mon bracelet et de déménager à New York. Je t'écoute. Tu veux me parler? Ouais, arrête, arrête, tu joues quand tu joues. Bon, on a une procédure, capitaine, après. Je rigole, je Tentative rigole, je rigole. d'évasion? Tentative intention d'évasion, ouais. Par Non, hé, la ruse, à ce moment-là. C'est pas une blague, hein, par contre, Merci. hein. Juste pour vous Après, ouais. informer, hein, vous l'avez déjà dans ma bodycam, donc si à un moment donné ça arrive, je pourrais prouver la Ouais. préméditation là-dessus. Hein. Par contre, toi, Merci. tu m'as fait mon bracelet là. Je l'ai joué. Qu'est-ce que ça vous va bien? Possible, attendez, bougez pas. Parbleu. Non, ça va aller sans. Je me sens bien. Sans bracelet, je me sens bien. Putain, va Quoi? Allez, dites-moi combien je vous dois. Et donnez-moi mon Je. café et mes donuts. S'il vous plaît. X-ray 20 composé de 20, 50, 28 Attendez, j'oublie et bien. 51, 10, 97 EMS 10, 26 de 300 mètres. X-ray 20, 10, 23, 16 EMS. On vous a pas vu hier. Moi? Bah ouais. Hier. On n'a pas eu petit message. Vos petites douceurs devant le poste. Rien de tout ça. J'étais très déçu. Non, c'est normal. Normal. Parce que ouais, j'étais pas disponible. Vous étiez dans la rue en train de vendre, c'est ça? Non, j'étais juste pas du tout là. Ah, ça marche aussi, hein. Ouais. Capitaine, je crois que Ouais, 28 a eu un écoute-moi. souci. Vous avez l'air d'en avoir quelque chose à foutre, ça me rassure, capitaine. Quel type de souci? Bah, je sais pas, elle est en train d'être portée par 20, donc j'imagine. Un deuxième enfant, hein. Ah, bah, je Oh, sais pas, allez voir, hein. oh Allez voir, capitaine, hein. C'est quoi ça? Vous touchez pas des allocs avec les gosses? Bah, non, il gagne trop d'argent pour ça. Bien trop. Hop, je vous ai réglé la facture, je veux bien mes Ouais, cafés, mais par contre. elle peut avoir les allocs, non? Bah, non, elle gagne trop d'argent, 28, elle c'est aussi. la.
Mais attendez, il est officier, non ? Bah ouais, mais le problème, c'est qu'elle est... Enfin, voilà. Le problème, c'est que les allocs, c'est pour l'enfant, et le père de l'enfant, il gagne trop de thunes. Ah oui, mais c'est pas l'enfant qui touche les allocs, c'est... Bah non, c'est les parents, mais c'est pour l'enfant. Hein. Oui, c'est pour les... Oui, mais c'est... Ouais, c'est pour l'enfant, si on veut. Hein. Wow, wow, capitaine, ouais, dites pas ça. C'est pour l'enfant, si on veut. C'est pour l'enfant, officiellement, c'est tout. Oui, officiellement. Voilà. Ça c'est comme quand on se retrouve, ça c'est comme quand on se retrouve les bras croisés devant une porte de hangar en métal et que ça paraît pas suspect. Oui, je vous ai oui j'ai même réglé la facture, monsieur. Oui. Excusez-moi, c'est le début de soirée. Ah, c'est normal, ne inquiétez pas. Bon bah écoutez, moi ça m'ennuie un petit peu parce que j'ai fait énormément de chiffre d'affaires la semaine passée et j'ai pas pu avoir mon prêt. Donc je suis pas sûr que je pourrais prendre les dividendes la semaine passée quand j'aurai mon prêt, que j'achèterai mes 50% d'entreprise. Ben, je pense, peut-être que. Vous voulez que je vous fasse un prêt ? Quoique, je pense que je pourrais les prendre quand même parce que ces dividendes-là sont destinés aux... Oh, je sais pas comment ça fonctionne. Vous avez vous pas voulez que je vous fasse un prêt, moi ? Si, c'est pas compliqué. Si vous avez 100% d'épargne, vous avez 50% du chiffre d'affaires qui peut être versé en dividendes. Vraiment, si vous voulez, si vous avez vraiment les moyens et que vous voulez, moi je vous fais vous me faites c'est un mort. Prêt. C'est mort, archi-mort. Archi-mort. Ça serait assez mal vu qu'un capitaine sache un prêt à quelqu'un qui s'est fait déjà faire arrêter. Je préfère... Ouais, c'est pour... Mais du coup, sur les histoires des dividendes, selon le code pénal, c'est si vous êtes propriétaire à 100% d'épargne, c'est 50% de votre chiffre d'affaires qui peut être versé en dividende. Vous avez 40% qui est réservé à vos employés, 5% au fonds de roulement et 5% en impôts. Mais la question que je me pose... Ouais, du coup, après, le truc, c'est que... Ça n'a pas d'effet rétroactif, c'est à partir du moment où vous prenez l'épargne. Ah oui, okay. Actuellement, vous êtes considéré comme un employé, donc c'est au prorata de vos heures de travail sur les 40%. Mais moi, je vais me demander, étant donné que j'ai pas encore versé les impôts parce que c'est le 26, ouais. Est-ce que si je suis propriétaire avant les impôts, techniquement, les 50% de la semaine passée, ils doivent partir aux impôts, techniquement, ouais. Je n'étais pas encore propriétaire, est-ce que je peux les avoir ou pas du tout ? Non, ils doivent partir aux impôts. Fichier, il n'y a pas d'effet rétroactif. On a fait énormément d'argent la semaine passée. Vous aurez d'autres occasions, vous inquiétez pas. Hein. Oui. Putain. Non, franchement, ça rapporte bien quand il y a du personnel d'actif, c'est bien. Bah, ça aide en général. Hein. Ouais, puis je trouve qu'on a un minimum de monde, donc ça fait plaisir. Bah, nous, on peut pas vous mentir. Hein. Moi, j'attends que ça. À chaque fois que je passe à l'hôpital, je passe à ça si c'est ouvert. Hein. Ça refait mes soirées. Hein. Capitaine, vous avez été servi ? Ouais. Oui, il a déjà été servi. Bon bah, excusez-nous, on va devoir repartir par contre. Bah, allez-y. Hein. On doit aller arrêter les gens qui vendent dans la rue. Ouais, putain. Oh là là, qui m'appelle là. Attendez. Coupable. Bonsoir. Coupable. Bon, on n'a plus qu'à attendre. Trop stylé les blouses, Benito. Juste que si ça a bien démarré, la suite devrait continuer pareil. Hein. Donc vous allez continuer à avoir l'argent qui coule à flot. Ouais, c'est sûr. Mais après, ce que je... enfin, surtout ce qui rapporte, bon après je vais pas vous le cacher, c'est surtout livraison, mais bon. Je fais pas partie de ce genre de personne qui reprend, qui fait juste des livraisons et qui bouge jamais. Je trouve que c'est dommage. C'est vraiment juste pour dire que je suis là pour avancer l'argent. Après, on va pas se mentir. De toute façon, c'est votre boulot, hein, c'est de faire de l'argent. Hein, donc, Ah oui, bon, c'est les sûr. Gars, parce votre que café, il prend du temps. Hein, quand même, je vais hein, faire une sieste, je reviens. Ok. Ouais, vous avez demandé un café. Excusez-moi, j'étais. Non, j'ai pas demandé de café, non. C'est à eux que je parle. 21, ton café, il prend du temps quand même. Non, mais je l'ai mon café, c'est bon, regardez, il est juste là. Ah d'accord. Qu'est-ce que tu fais ici ? T'es pas censé repartir en patrouille ? Bah si, mais j'attends le capitaine, il est parti faire une sieste. Il est en train de se faire un petit plan là avec le capitaine lieutenant là, c'est... Attends, quoi ? Quoi ? Quoi ? Ah, quoi ? Quoi ? Chelou tout ça. N'est-ce pas ? Bah 21, t'entends ça un peu ? C'est fou hein. Regardez les belles rondelles qu'on a là en vitrine, là. Les belles rondelles. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez trouvé mon petit cadeau dans votre bac de friandises factices ?
Oui, le mouchoir, putain. Vous voulez dire. Putain, fait chier. Alors, je trouve un autre endroit. Vator, tu sais qu'il y a 28 qui vient de rentrer à l'hosto ? Oui, je suis au courant. Ah, ok, d'accord. Après, vous... Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus ? Je suis pas médecin, moi. Mais je te le dis, mais pourquoi tu t'excites ? Tu vois, c'est ça ton problème. Mais non, vous êtes là en train de me dire, vous êtes au courant. Ben oui, oui, je suis au courant. Oui, ouais. Je dis-vous juste une chose, c'est que je suis au courant de tout ce qui se passe avec mes agents, hein, c'est normal. Hein. Ah, ben voilà. Mais je sais pas, moi. Et même quand c'est pas mes agents, vous voyez, quand il se passe un truc avec le capitaine, je suis au courant aussi. Chigo, moi. J'arrive. Le capitaine, techniquement, c'est un agent aussi. Bon, c'est pas ton agent, mais c'est oui, pas mon c'est agent. Un agent j'ai pas ça, je peux pas lui donner d'ordre, c'est pas ma responsabilité. Mais quand il se passe quelque chose, même quand c'est le capitaine, je suis au courant et je sais ce qui se passe. Vous êtes combien de lieutenants ? Y'a que moi. Ah, ok. D'accord. Est-ce qu'il y a besoin d'en avoir plus ? Non. 02, faudrait monter commandant au bout d'un moment. On est en train de négocier avec 101 pour récupérer des étoiles, vous inquiétez pas. Ouais, d'ailleurs, à l'élection des shérifs, vous votez pour qui ? Déjà, moi, j'ai déjà voté. Bah, t'as voté pour qui ? Pour une personne. Mais qui ? Bah, je vous dirai pas. Dis, moi, j'ai voté pour 103. Ok. Je suis content de le savoir, mais ça change rien, ma vie. C'est parce qu'il est en... C'est parce qu'il est un peu... Il est un peu tendu. Tu vois, c'est ça. Tu vois, c'est ça, c'est le problème de 21. Quoi ? Rien. Je suis un bon Américain. Le culte du secret. Qu'est-ce que vous êtes russe ? Oh là là. Igor Varioparovski. C'est pas que, mais moi je vais me barrer, je pense. Hein. Bah, ok. Oh, il manque. Je me disais bien. Vous êtes libre, hein, que ça change jusqu'à nouvel ordre. Hein. Mais bon. Putain, mais 20 ou moins, quoi. S'il te plaît. Là, tu forces. Ensuite, je vais partir en cellule pour outrage à agent. Je le sens, là. Non, il n'y a pas d'outrage à agent aux États-Unis. Ah ouais ? Ouais. T'es sûr ? Certain. Vous pouvez donc l'insulter. Oui, vous pouvez m'insulter. Par contre, s'il y a un mot de travers ou un mot qui peut être mal interprété, vous prendrez la procédure derrière. Quelle procédure ? Bon bah, en fonction du mot qui est utilisé, qui peut être mal interprété, ça peut être menace sur agent dépositaire, ça peut être menace de mort, diffamation, tentative d'homicide, peu importe. Okay. Hein. Donc là, je donne un exemple. Par exemple, alors c'est n'est qu'un exemple, hein, je le dis. Plus vite. Si je dis, mais 21 s'il te plaît, si je dis 21 espèce d'enfoiré, là, je vous dirais merci. Merci beaucoup, je vous retourne le compliment. Ah ok, d'accord. Et par exemple, là, si je dis 21, ça va t'enculer, là, ça peut être pris comme une menace, là, par exemple. Ouais, là, c'est une menace. Ok, d'accord. Vas-y, ok, je retiens. Bizarre, un peu comme menace. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. La menace, même en soi, elle est bizarre. Monsieur, je vote peut-être, mais pas inconnu. Weasel News, ça. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est le journaliste. Ouais, salut. Hein. C'est ça. D'ailleurs, nous. Ah, on se taille. On doit y aller. Ouais, on se barre. Au revoir, messieurs. Bonne soirée, hein. Ouais, les flics. Monsieur du Weasel News, je crois qu'il veut me parler. Fuyez, capitaine, vite. Putain. Cours. Je sais pas de quoi, mais. C'est bon, on n'est pas dans le champ de vision. Comme ça, on se fait pas cramer. C'est bon, nous la paix un peu. Il y a eu assez des procédures d'hier et d'avant-hier, c'est bon. Et c'est nous deux une petite soirée là, qu'on puisse profiter un peu. Adam 02, fin de 16, reprise 10-41. Capitaine, j'ai passé mon après-midi à regarder des documentaires sur les crashs d'avion. C'est fortement intéressant. Et on se rend compte que les gens sont des abrutis. Honnêtement, sur tous les documentaires que j'ai regardés, 50% des cas, c'était parce que les pilotes étaient complètement cons. Pas complètement cons. T'es pas dedans, je peux pas me mettre vraiment à leur place, mais c'est pas super malin, quoi. Adam 02, 10, 19, 16, PDPRH. Qu'est-ce qui se passe, capitaine ? Bah, y'a un mec qui doit me parler, là. Ah, oh, ça va être monsieur Rock. Vieux. Ouais, c'est monsieur Rock. Enfin, vieux. Oui, vieux, en tout cas. Oui, bah c'est un vieux, hein. Ah.
Il est où? Bah, il va arriver, il va devoir descendre du nord jusqu'au sud. Que je vais vite faire ranger 2-3 paperasses dans mon bureau en attendant. J'arrive. Ça marche. J'ai envie de pisser. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir sauter à travers le carreau de la fenêtre des fois, ça me fait tellement taper des barres. Bon, je reviens. Ça c'est louche ça. Bon allez, on va aller voir ce qui se passe un peu. Alors pas ici. Là, la petite marche. T'es bon, capitaine. Farpé. Je vais faire genre que je travaille, même si l'écran il est éteint. Ouais, c'est tant qu'il le voit pas, c'est bon. Bah, c'est pour ça! Le pire du cas, je lui dirais, oh, quand il va arriver, je vais faire, oh, c'est quoi ce bordel? Le l'ordi il a planté! Comme ça, on se couvre.
69, 17, bonsoir à tous et à toutes. Putain, mais il s'est planté le vieux ou quoi? Bah, s'il est si vieux que ça, il conduit comme un vieux. Putain, capitaine, on est là pour 20 ans à peu près. On va finir enraciné dans le sol. Je vais appeler Louisol, capitaine, j'en ai déjà marre d'attendre. Louisol News, bonsoir. Ah, c'est pas vous que je voulais parler. Je voulais parler à Monsieur Rock. Si vous l'avez. Ouais, je vais le chercher. Ouais, parce qu'on l'attend au poste. Et Justement, je vais le chercher, je vous le ramène. Ok, parfait, bah tout de suite. C'est pour savoir dans combien de temps. Non, non, bah non, ouais. Rendez compte, on va le casser en deux si on lui met les menottes. C'est pas comme vous, vous on peut les mettre par contre, hein. Vous allez être un solide gaillard. Vous on peut vous les mettre les menottes, vous avez l'air d'être un solide gaillard, mais Monsieur Rock, on le cassera en deux à lui en mettre. Ouais, ce serait pas plus que si attendre d'autres grand-père, hein. Comment? Vous inquiétez pas, il était mieux, hein. Comme ça attendre d'autres grand-père, hein. C'est la canne, ça, qu'est-ce que vous voulez? Bon, allez, à tout de suite, monsieur Blake. Oui, à plus tard. Bah, apparemment, il veut qu'on mette les menottes au vieux, et apparemment, ça a été mieux. Capitaine, procureur m'a dit que Sam était pas là ce soir, ça vous dit qu'on passe vite fait à Davis voler une étoile ou deux? On peut. Le problème c'est qu'il faut vraiment qu'on arrive à voir le gouvernement, hein, parce que si vous voulez les étoiles, hein, il faut qu'il légitime le truc, sinon on va avoir un problème d'un point de vue légal, ce serait une usurpation de fonction et tout. Au pire on demande pour faire un vote. Mais le commandant il est pas voté, capitaine. Il est nommé par le gouvernement. Mais là on change le truc, on met un vote. Et on met tous les agents de l'effectif en poste potentiel. Et on regarde qui a voté. Bah je vote pour moi, capitaine. Vous votez pour vous, chaque agent vote pour soi. Puis on est bon. Vote nul. Ah non, parce que s'il y a une alliance et que ça se vote pour quelqu'un en alliance, on va être baisé. Bon, sinon c'est pas compliqué, hein. Si vous voulez garder votre plaque avant la fin des élections, vous savez pour qui voter, hein. Alors, bon, honnêtement, je suis pas sûr que les élections soient super smart, hein. Quoi, vous pensez que je vais pas être élu? Ah, c'est pas tellement pour ça. C'est quand je vois que, par exemple, Monsieur Frost a voté pour Monsieur Kane. Bah, je me dis que, finalement, les élections, c'est pas super intelligent, hein. Globalement, on a le choix entre un shérif qui est là, quand elle est là, mais elle est là, et un shérif qui est pas là, même quand il est là. Bon, le calcul, il est vite fait. Puis on va pas se mentir également, les... Comment dire... Les shérifs n'ont pas la même charge de travail que nous. Et du coup, c'est pas les mêmes besoins en disponibilité. Ah oui, là, on est loin.
Ready? Palam, 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 palam. J'en ai marre d'attendre, ça me rend ouf. Oh, le bon bug. Hein. Oh, coucou. Je suis pas censé genre avoir un message moi qui traîne. Je sais plus où est-ce qu'il m'a envoyé ça. Capitaine. J'en ai marre d'attendre, je vais le tuer, je vais le tuer, je vais le tuer ce mec. Ah non du coup capitaine. Alors juste c'est un peu long quoi. Je vais voir s'il arrive pas. Capitaine, va falloir aussi expliquer aux agents que les deux portes s'ouvrent. Ça fait 3 jours qu'à chaque fois que j'essaye de passer, la porte de gauche, il laisse fermer. Insupportable. Je sais pas, c'est... Ils sont allergiques à la gauche. Mais c'est quand même triste, capitaine. Genre, ils ont la flemme de passer un tour de clé, quoi. Ça va finir en gros high kick, ça. Oh oui. Vas-y, attends encore, quoi. J'en peux plus. Je vais bouffer le clavier, capitaine. Je vous jure, je vais le bouffer. Touche par touche. Non, non, mais laissez-moi-le. Vous en avez un autre là-bas, là. Coucher sa bête. C'est ce que je dis à mon chien. Heureusement qu'il n'y a pas d'inter par contre, hein, sinon. Oh bon, si il y a une inter, il ira se faire. Il attendra poliment, on va dire. Oui. Globalement, nous on pourra aussi depuis 15 minutes là, donc. Chacun son tour, hein. Nous 100%, ça va être encore pour nous demander des informations. Ouais, vous avez comparé au fait. Oh, d'ailleurs, putain, qui m'avait appelé? J'ai une meuf qui m'avait appelé la dernière fois quand on avait mis l'émergegone. Oui, ce serait bien de prévenir la population quand vous mettez l'émergegone parce qu'en fait. Oui, c'était la meuf du Blackwood. Mais c'est normal parce que je lui avais donné l'ordre de fermer vu que c'était dangereux. Bonsoir. Oui, c'est moi-même. Oui. Ça vous dérange si mon lieutenant est là, 21, c'est... Oh non, ça me dérange pas. Parfait. Écoutez, on va directement aller dans mon bureau. Dans mon bureau bientôt. Oula. Quoi? Quoi? Enfin, je vous l'ai dit, capitaine. Je veux votre bureau, hein. Qui vous dit que vous deviendrez capitaine si je passe commandant?
Bah c'est la moindre des chances. Un peu de respect, merde. Bah ouais, c'est ça. De toute façon, j'ai un argument de poids que vous ne pourrez pas contester, capitaine. Dites-moi. Starsky et Hutch. Poids. C'est ici, capitaine, merci, par contre, au bureau. Starsky et Hutch. Je sens ma peur, non, 21, non. Ah, je ne donnerai pas de détails. Je l'ai présenté. Ça m'intéresse, moi, Starsky et Hutch, c'est de mon époque, ça. Et du coup, ça, capitaine, c'est un argument que vous ne pouvez pas refuser. C'est vrai que l'argument est difficilement dépotable. Après vous, monsieur Rock. Merci. Ah oui. Vous comprenez pourquoi je fais ce bureau? Ah moi, oui. J'ai un vieux bureau à côté des chiottes. Ah oui. J'ai même pas de place pour ranger mes deux dossiers, quoi. Ah oui, voilà, là. Il y a même deux écussons. Si on n'avait pas compris que c'était la police. Alors, oui. Je vous écoute. Alors, c'est un tout, bien sûr. Par où je vais commencer? Oui, par le commencement. Qui en lien aussi avec le sujet dont je viens. Je compte faire un sujet sur les dossiers perdus ou les plaintes perdues ou non traitées ou comme vous voulez. De votre service, les shérifs seront touchés aussi, un moment ou un autre. Parce que là, les citoyens... Ouais, j'imagine déjà quel citoyen vous a contacté pour ça, j'ai une très bonne idée de qui c'est, parce que littéralement, il nous harcèle. Également. Alors, c'est un tout. Oui, non, mais alors... Heureusement, ça vient pas d'une seule personne. Je vais vous le dire honnêtement, hein. Il y a certains dépôts de plainte, certaines personnes qui déposent plainte nous harcèlent tellement avec leur dossier... sur des choses où, en fait, on n'a pas la main. Et sur des choses où, bah, foncièrement, on ne peut pas les traiter. C'est-à-dire qu'il y a des dépôts de plainte qui ne sont pas perdus. Moi, je vous le dis, les dépôts de plainte, je les regarde tous, je les lis tous, je les traite tous. C'est juste que, globalement, il y en a certains, on ne peut pas donner de réponse pour des raisons très, très simples. Hein. C'est que quand les coupables ne sont... Enfin, les coupables présumés se sont évadés de l'île hein, par des moyens saugrenus, bah, c'est compliqué de leur mettre la main dessus. On n'est pas une police fédérale. Là, moi, je connais pas les affaires, donc je sais oui, mais pas. Voilà, moi, je vous le dis parce que je vois très bien. Et concernant, du coup, il y a une personne que je vois très bien qui vous a parlé, je sais très bien. Et je vous donnerai pas le nom parce que vous me le confirmerez pas. Et que si c'est pas le cas, bah, je vais pas vous donner un nom. Ça serait con. Non, c'est pas ça, c'est que c'est complètement illégal. Oui, j'avoue. Donc, soit l'information en elle-même, c'est pas un problème, c'est juste le côté légal. Le fait est que si c'est cet individu-là en partie, bah, globalement, c'est quand même personne qui ne prend pas en compte en fait les mouvements qui rendent compliquées certaines affaires. Je ne donnerai pas plus de détails, mais globalement, quand il y a des structurations qui ne permettent pas le suivi de ces dossiers, bah, déposer plainte pour ça, bah, c'est compliqué. Oui. C'est comme si moi demain je venais chez vous faire un article sur le fait que vous n'êtes pas capable de faire un article parce que vous n'êtes pas assez. Admettons parce que vous êtes tous partis en congé. C'est un peu honteux. Oui. Bah, c'est... C'est honteux et vous n'allez pas forcément bien le prendre. Bah, du coup, c'est pas justifié parce que... Voilà, regardez, c'est aussi simple que ça. On publie des articles. Non, mais c'est un exemple. Oui, oui. C'est un exemple. Compris. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait. Hein. Oui. Et globalement, il y a des plaintes. Et après, il faut aussi comprendre une chose. Hein. C'est que quand nos agents se font chier dessus et renvoyer chier, ça, vous pouvez le noter avec mes termes, il n'y a pas de problème, hein, par des civils... qui ont été pris en otage alors qu'on essaie juste de les revenir en aide et qui préfèrent rester sur place hein, plutôt qu'on les raccompagne, etc. Bah, à un moment donné, c'est compliqué aussi. C'est ce que j'appelle des inconscients. Oui, mais il y en a un paquet. J'imagine. J'ai l'impression que c'est un tout. Ah bah c'est aussi un tout, ouais. Juste, il y a beaucoup de conditions et beaucoup de variables chez nous qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne pourra jamais maîtriser. Est-ce que vous pensez que c'est... C'est un sujet tabou que si on, nous, The News, on l'évoque et on le met en lumière... C'est la liberté d'expression, hein, donc non. Vous avez tout à fait le droit de faire tout ce que vous voulez à ce sujet-là. Percer ce pot de pus. Bah, vous pourrez le percer comme vous voulez. Après, comme je vous ai dit, hein, le fait est que les plaintes qui peuvent être traitées, elles sont traitées. Les plaintes qui ne peuvent pas être traitées, elles ne sont pas traitées. Je vous donnerai un exemple. L'autre soir, on a eu un individu qui est venu nous signaler le vol de son véhicule. Oui. On a retrouvé son véhicule, on lui a rendu son véhicule. Oui. On lui avait dit de repasser le lendemain pour faire un dépôt de plainte parce qu'il était assez tard. Il n'est jamais repassé.
Donc, si vous voulez, quand les plaintes, on peut les traiter, les personnes ne portent pas plainte au final. Donc, en fait, si vous voulez, les seules plaintes qu'on a, c'est des trucs où, bah, en fait, on n'a pas la marge pour pouvoir les traiter. Vous n'avez pas la marge parce que vous n'avez pas assez d'éléments ou les personnes concernées Pas n'ont assez pas ajouté. d'éléments, ou parce qu'on n'a pas la juridiction pour, ou pour X raisons, parce qu'il ne faut pas se mentir, il y a aussi des dépôts de plainte qui sont frauduleux. Hein. Ah bon, Bah, ça bien sûr. existe? Mais foncièrement, nous, quand une personne vient dire oui, on vient déposer plainte, bah oui, d'accord, on prend votre plainte. Mais ça, rien ne nous prouve que la preuve, enfin que la plainte en elle-même est justifiée. Ce qui fait qu'on a tout un travail en amont à faire pour vérifier ces informations-là. Et une fois qu'on a Oui. vérifié, on peut. Si on ne peut pas vérifier ces informations-là, on part du concept que c'est fraudulé et que du coup, on ne peut pas donner suite. Ok, oui. Effectivement. C'est un peu comme vous, si vous voulez, vous avez vos informations, vous êtes obligé de les vérifier, bah nous c'est pareil. Oui. On est obligé de les recouper minimum 3 fois. Mais bah pour nous c'est à peu près pareil. Ouais, j'imagine. Sachant que parfois on a des informations qui sont assez, comment dire, Croustillante. saugrenues. Pas Ce croustillantes, grenu. saugrenues, typiquement des personnes qui essayent de s'approprier des véhicules sans preuve que ce soit le leur, sous prétexte qu'il y a 3 points sur la carrosserie par exemple. Et que bah, globalement, il a pu tout à fait le constater directement dans le magasin en question. Vous voyez ce genre de choses. Pas tout compris, mais ok. Ah, globalement. Vous voyez, demain, vous êtes agent de police. Je viens déposer plainte chez vous Oui, parce que oui. je vais signaler le vol de mon véhicule Oui. sous prétexte que j'ai reconnu mon véhicule parce qu'il y avait 3 points sur la carrosserie. Mais que je ne peux pas fournir de preuve d'achat de ce véhicule. Ni de preuve de teinture, ni de preuve comme quoi c'est bien mon véhicule. Et que quand, du coup, nous. On va vérifier auprès du revendeur du dit véhicule la propriété de celui-ci peut nous prouver que c'est son véhicule et nous sort les produits les preuves d'achat. Qu'est-ce que vous voulez qu'on donne suite à ça? En Je sachant qu'il y sais a un truc qu'il pas. faut bien comprendre, c'est qu'on est sacrément sympathique parce que ça c'est faux usage de faux et que c'est Oui, je qualifié suis et que d'accord. du coup on peut amener les personnes en procédure et qu'on ne le fait pas à chaque fois pour justement préserver un minimum nos citoyens parce que notre boulot c'est de protéger et servir. Pas d'enfermer n'importe qui. Oui. Parce que vous savez, c'est facile de passer les menottes à quelqu'un et de l'emmener dans la cellule, de lui faire une procédure et de le faire repartir ou de l'emmener en jugement. Justement, je ne sais pas. Bah c'est très facile. Ok. Mais globalement, si vous voulez, on n'a pas forcément tout le temps la possibilité et les éléments pour mener à bien une plainte complète. Donc souvent, il y a des plaintes qu'on arrive à relier plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Ah oui. Eh oui. Vous m'arrêtez, C'est un capitaine, si carrément je me des trompe, hein, délais, mais. du coup. Je vous arrêterai si besoin, mais bon, pour le moment, tout est bon. Tout est bon dans le Il y a aussi cochon. une chose à comprendre, c'est que bon, là, en ce moment, on est un peu plus d'effectifs et ça permet de prendre plus de temps sur le traitement de ces plaintes. Oui. Mais on a passé une période aussi où on était très peu d'agents. Ce qui fait que ça limite, parce qu'on ne peut pas être partout, on ne peut pas être sur le terrain à protéger directement sur le vif et en même temps Oui. être en train de traiter les plaintes. C'est pas possible. Dites-vous juste que pour une plainte même de 5 lignes, la procédure derrière, c'est plusieurs heures de travail. J'imagine, oui. Que l'on doit coupler avec notre travail de terrain. Pour protéger les citoyens. Vous savez, par exemple, comme Effectivement. quand vous nous appelez parce que vous vous êtes fait emboutir au niveau de Vinewood et que nous, on vient vous sécuriser, vous appelez le Oui, remorqueur, etc. Et oui. ça prend énormément de temps et c'est du temps qu'on ne peut pas D'ailleurs, attribuer vous avez à. retrouvé les petits cons? C'est encore. Les analystes sont encore. De la peinture des carrosseries et encore aux scientifiques. On devrait avoir des J'espère que retours vous bientôt. allez les retrouver, hein. Oui, de toute façon, tous vos frais ont déjà été réglés, hein, de mémoire. Oui. Mais pareil, techniquement, vous n'avez pas déposé plainte. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui fait que là, globalement, moi, je l'ai fait de mon. Bon. Bah non, vous n'avez pas déposé plainte. Vous avez fait une déposition. Vous avez discuté Oui. avec nous, où du coup, on a noté les informations. Mais c'est pas un dépôt de plainte officiel. Oui, parce que je sais pas En fait, c'est ça aussi, hein, c'est qu'il y a beaucoup envers de. qui déposer plainte. Bon, n'importe quel agent. Après, Non, c'est pas un problème. je veux dire Oui. Bah, une plainte contre X, hein. C'est comme ça que ça marche, hein. Ah oui, je savais que ça existait. Je pensais avoir porté plainte. Bon, Non, c'est un vous autre n'avez pas sujet. porté plainte. Oui, non, mais voilà, vous voyez ces sortes de trucs, en fait. Oui, Qui font que, je du coup, en vois. fait, les personnes qui nous parlent et qui ont besoin d'aide, soit ils ne déposent pas plainte, soit on n'a pas assez d'éléments pour pouvoir mener à bien la plainte. Du coup, bah, c'est pas qu'on ne veut pas les traiter. C'est juste que, bah, en fait, on Ah, ne peut pas. jamais dit que vous
Oui, non, mais voilà, c'est juste pour être un peu plus clair vis-à-vis des citoyens, parce qu'il y en a certains qui ne comprennent pas. Et après, bon, et bien sûr, il y a certaines plaintes qu'on ne traite pas, parce que, bah, en fait, il y a certaines plaintes, si on les traitait, ça amènerait des conséquences qui ne seraient pas pour nous. Typiquement sur cette histoire de harcèlement, en fait, ce qui se passe derrière, c'est que, au vu de la plainte, etc., bah, en fait, on pourrait l'accuser de harcèlement, on pourrait l'accuser de diffamation envers les agents, de diffamation envers les services, et du coup, ça partirait en jugement. Effectivement. Et vu comme on vous le dit, on essaie de protéger nos citoyens. Je reviens. Allez-y. Bah, on évite de faire tout n'importe quoi. Après, il y a un fond qui est légitime sur la plainte en question, là, dont je parle. Le fond est légitime, mais le problème, c'est que la forme n'est pas bonne. Putain, je m'y connais pas assez dans votre métier. Il y a des procédures qui sont très claires et globalement, en fait, nous on peut. Moi, c'est mon boulot, hein, le code pénal, la législation, etc. C'est vraiment mon job, c'est pour ça que je suis lieutenant. Je m'occupe vraiment de voir pour qualifier des faits, etc. Je prémâche au boulot du procureur si vous voulez un peu. Et globalement, en fait, les plaintes, quand je ne suis pas en mesure de les traiter, bah, je ne peux rien faire. Et après, il y a aussi un fait, c'est que parfois les plaintes, on les a traitées, mais que globalement, ça part sur plus hautes instances que nous, et que bah, derrière, à partir de ce moment-là, en fait, on ne peut pas juste contacter les gens et leur dire « Ah, au fait, on a arrêté votre gars, vous allez être convoqué, machin, etc. » C'est pas à nous de le faire. Et si on le fait, par contre, on serait pareil, on serait dans le même problème que ce que tout à l'heure, où je pouvais pas vous donner de nom spécifique, parce qu'on serait dans l'illégalité la plus totale. Violation du secret professionnel. Donc parfois, c'est juste un oubli ou une erreur de transmission entre nous et au plus haut. Ok. C'est tellement un bordel que j'ai envie de faire un article, mais d'un autre côté, ça va être compliqué. Bon, dites-vous juste que globalement, ces derniers temps, on a eu d'autres trucs à gérer qui étaient plus urgents, pour le coup, que les plaintes, pour des raisons que je ne peux pas vous transmettre, vous doutez bien. Mais assez grave pour qu'on mette au second plan les dépôts de plaintes. Hein. Peut-être un jour, vous aurez un article là-dessus, etc., mais c'est pas moi qui vous en ferai part. J'ai pas la liberté de parler de ça, pour le coup. Mais le fait est que quand on est dans une situation stable, on va dire, les plaintes, on peut les traiter et on les traite. Donc moi, je harcèle certains agents pour qu'ils s'en occupent, et quand ils s'en occupent pas, ça m'agace, je les gère moi-même, et de toute façon, comme je vous ai dit, toutes les plaintes, je les lis, et je les réattribue ou je les traite moi-même, au besoin. Je voulais aborder, oui. Bon, si je fais un article ou pas, du coup... Je vais voir avec vous par rapport à potentiellement des points presse. Ça, pour le coup, c'est pareil. Je peux pas vous donner quoi que ce soit. Faudra voir avec monsieur le capitaine qui est au téléphone. Là. Moi, j'avais pas la liberté de donner ces autorisations. Je vais attendre. Vous êtes déjà rapproché du département de justice un peu ? C'est-à-dire que monsieur le procureur est volatile. Ah, il fait comme nous, hein, il a beaucoup de travail. Oui. Mais essayez de vous en rapprocher parce que lui, pour le coup, a beaucoup plus de marge de manœuvre que nous. Oui. C'est-à-dire qu'il est tellement volatile que c'est compliqué. Je vais voir s'il est disponible, si vous voulez le rencontrer. Bon, on l'a déjà rencontré, mais... Bon, il est pas disponible. Oui, sa volatilité est... Et sûrement, pleinement justifié. Bah, là où nous, on est une vingtaine, lui, il est tout seul. Oui, j'ai constaté ça, oui. Excusez-moi. Ça va, je vous excuse, capitaine. Je sais, je vais le payer, capitaine, désolé. Non, parce que ça me fait rire. Du coup, il y a M. Rock qui a formulé une demande je ne peux pas donner mon aval. Un point presse. Par point presse, j'entends, par exemple, en ville, il y a une course-poursuite. Et parfois, je demande aux jeunes du service de faire une breaking news pour informer la population de la course-poursuite et de laisser les services afférents laisser faire leur boulot. Oui. Et pas intervenir. C'est pour ça que
que chaque fois que je vois une course poursuite de la part de vos services, je préviens les jeunes et ils font une breaking news. Et j'ai plusieurs citoyens qui m'ont fait part d'actions de vos services sur des zones sur lesquelles ils n'avaient pas l'information, qu'ils ne pouvaient pas passer. Et je voulais voir avec vous, bien sûr, je veux pas l'information avant que vous soyez en place sur une intervention chaude. Bien sûr, vous me l'envoyez quand vous envoyez au Wazim News, quand vous êtes posé. Et que tout est sécurisé. Vous n'avez pas envoyé l'information avant toute action, vous voyez. Parce que, je vais prendre un exemple. L'histoire du DEFCON 3. DEFCON, c'est au niveau, oui. C'est au niveau étatique. Oui, je confonds souvent. Au niveau des Emergent 3, dernière Emergent 3, nous, As a News, on n'a toujours pas le début du pourquoi, du comment il a été déclenché. C'est pas faute d'avoir. Liberté de parler de ça, capitaine? Poser les questions. Sans pour autant donner toutes les informations. On a eu très peu d'infos. Est-ce que j'ai la liberté de parler de ça sans pour autant donner les informations de fond? Oui. Pour vous la faire courte, Nemercon a été déclenché suite à des actions qui étaient potentiellement dangereuses pour la population ou pour les agents. Je peux pas vous donner tous les détails des interventions en question parce que c'est une affaire en cours. Globalement, c'est en fait. En cours. Bien sûr que c'est encore en cours. Globalement, il y a des. La partie tendue a été traitée, si vous voulez. Et des agents ont appelé le Blackwood pour fermer, c'est que la situation autour d'eux était trop critique et trop dangereuse pour laisser des civils au milieu de tout ça, parce qu'à tout moment, ça pouvait vraiment être mis en péril de leur vie. Globalement, si vous voulez, quand il y a un Emercon, c'est qu'il y a vraiment. C'est vraiment très, très, très dangereux. Dans l'urgence. Mais attends, et que, mais quand, globalement, quand on peut pas. Quand c'est déclenché. J'étais là quand vous avez envoyé le message au Blackwood. C'est ça. Mais je m'en souviens, c'est moi qui ai donné l'ordre parce qu'on était. En fait, si vous voulez, les Mercon 3, normalement, ils stipulent que toute entreprise doit être fermée. Oui. Enfin, toute entreprise accueillant du public doit être fermée. Le fait est que là, les Mercon étaient nécessaires pour nos actions, mais n'étaient pas nécessaires pour la fermeture de toutes les entreprises. Ce qui fait qu'on faisait au compte-gouttes, entre guillemets, aux besoins vraiment et aux dangers immédiats. D'où le fait qu'on ait demandé au Blackwood de fermer à ce moment-là, parce qu'on était sur une action de police à grande envergure, à grande échelle, qui, du coup, pouvait mettre en péril leur vie. Et normalement, en plus de la demande de fermeture, il y a eu la demande aussi de garder les civils à l'intérieur et à l'abri. Globalement, en fait, si vous voulez, les Mercon, il est déclenché soit quand c'est presque la guerre, littéralement, hein, que quand les petits jeunes, là, ils se tirent dessus. Ou sur des opérations très spécifiques qui nécessitent qu'on ait un plus large champ de manœuvre. Mais globalement, c'est pas sur des petites affaires. Parce que je vous avoue que moi, j'ai des brides. Une fois, on me dit que c'est parce que c'était pour choper des personnes recherchées. Une fois, on me dit que c'était par rapport aux fusillades du Sud qui s'était passé entre les familles, je sais plus qui. Donc si c'était proche du Blackwood, je suppose voir de qui vous parlez. Et du coup, je suppose à peu près. Je peux pas savoir qui était recherché le jour J. Ça. À part voir avec les concernés. Je vous rappelle juste une chose, c'est que si je vous dis de vous rapprocher du département de justice, c'est pas pour rien.
C'est qu'une fois qu'un jugement a été émis, tout le dossier du jugement est rendu public. Une fois que tout est traité, que tout est posé sur le papier, mais tout est rendu public. C'est la loi. C'est comme ça. Du coup, c'est pour ça que je vous dis de rapprocher du département de justice, parce qu'il y a des libertés qu'il a que nous n'avons pas. Oui. Nous n'avons pas la liberté de parler d'une affaire en cours ou traitée. On n'a pas le droit de violer notre secret professionnel. Oui, je comprends bien. Mais même si le jugement a été mis, après, si le jugement a déjà été mis, globalement, c'est de la recherche d'informations. Et ça, c'est globalement une collecte à faire au département de justice, tout simplement. Je sens que je vais être dans leur dossier. C'est... fouiller. Je vous le dis, hein, honnêtement, nous, on peut pas. Mais voilà, partir vraiment du principe que les Mercon, il n'est pas déclenché de manière aléatoire. Oui, je comprends bien, oui. Et quand il est déclenché, c'est vraiment une nécessité absolue pour la sécurité des citoyens. Bon, autre sujet. Ouais. J'aimerais faire un grand format et suivre... Un tabloïd Non, un gros format sur votre métier. Donc suivre des agents et tout. Il faut voir avec le capitaine, pas avec moi. Oui, c'est pour ça que j'évoque. J'essaie d'évoquer l'entièreté des sujets que j'ai sur mon carnet. J'en profite. Capitaine. Oui. Les citadins signalement, regardez ça. Ouais, on va y aller. Oui, ça a déjà été proposé. Ça, moi, ça ne posait pas de problème. Je sais pas si il faut que je vérifie si ça pose pas trop de soucis. En tout cas, de notre côté. On a, pour se différencier, s'il faut, un gilet par balle presse. C'est pas un problème de différenciation, c'est un problème de protection et de d'autorisation légale. Il y a des papiers à préparer, des papiers à signer, des assurances, etc. Oui. Okay. Mais oui, ce serait avec plaisir, enfin un grand plaisir, ça a déjà été proposé plusieurs fois, ça ne s'est jamais fait. Parce que ça fait plusieurs fois que j'en fais pas à plusieurs de vos agents et jamais de retour vers le bas. Donc oui, là j'ai eu votre donc ok. Je l'ai aussi proposé au shérif, hein. Comme ça pas de jaloux. Ou ça vous permet d'avoir un peu les deux parties si je puis dire. Mais écoutez, moi, c'est moi qui m'occupe de ces paperasses là normalement, c'est comme je vous l'ai dit, c'est mon boulot, hein, de m'occuper de l'aspect légal. Je vais regarder tout ça pour vous faire les papiers en bonne et due forme. Il y a certains papiers que vous devez fournir vous par contre, une preuve d'assurance, une autorisation, enfin un papier comme quoi vous engagez à ne pas nous attaquer en justice si vous arrive quelque chose sur le terrain ou à un de vos journalistes, etc. Je vous donnerai des copies de tout ça, il faut que vous les attendez préparer. Si vous pouvez me les envoyer à Gérard... Rock. Je vous les donne en main propre. Oui, effectivement, oui. Vous savez, les boîtes mail, je sais m'en servir, mais sur des papiers comme ça, je préfère que ce soit en main propre, qu'il n'y ait pas de fuite ou quoi que ce soit, ne serait-ce que pour vous. Je veux aussi. Ouais, non. Il y a aussi après, en fait, si vous voulez, dans le. Il y a aussi un autre papier à remplir qui est important, mais ça, je vous le donnerai aussi. C'est tout ce qui concerne la confidentialité de certaines informations. Ah oui, ça on le cherche aussi, nous. Pour vous, c'est vos contrats de travail avec votre clause de confidentialité. Nous, c'est pas pareil. Oui, en fait, on a toujours. Le procureur doit nous fournir les documents afférents gratuitement. Parce qu'on les a pas. Et donc, la confidentialité aussi. Mais bon, c'est un autre débat. Mais c'est un petit peu compliqué. On a beau balancer des annonces de recrutement, comme vous à l'époque, c'est compliqué. Ça va venir. Mais bon, pour l'instant... Le monde attire le monde, vous savez, c'est pas compliqué, vous avez des journalistes. Pour l'instant, c'est stable. Vous préparez vos articles et au fur et à mesure, les gens auront envie de travailler avec vous, c'est aussi simple que ça. Oui, oui. Pour l'instant, c'est stable, mais... Mais je vais pas en dire plus, parce que ce serait spoiler. Ok, ok. Bon, est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut retourner travailler Non, j'ai d'autres questions, je vous laisse... Je vous raccompagne. Qu'il va vous raccompagner. Votre terrain d'opération. Merci beaucoup. Toujours.
toujours peur de me perdre dans ce comico. C'est tout droit, tout droit, tout droit, tout droit. Ouais, mais... Ici, y a un mur devant vous, toujours tout droit. Effectivement. Alors, vous essayez de descendre. Voilà, vous descendez d'un étage. Et après, c'est la porte juste en face de vous, là. Tic, tic, tic. C'est parfait. Ensuite, on a encore une petite page. Pourtant, je suis presque certaine que vous avez rigolé quand vous avez... Et c'est la porte sur votre droite. Il y a du monde. Oh, bah, bonne patrouille à vous. Bah, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Bonne soirée à vous. Prenez une fin de service, 20 également ? Oui, c'est bon. Bah, passez une bonne soirée. Vomi dessus, compagnie. Ah, courage, hein. Et j'ai 3 rapports d'audition à faire. Ouais, il y a aussi ça. Force à vous, hein. Merci. Ah bah, comment 28 ? Pas des masses, bien. Qu'est-ce qui lui arrivait ? Elle m'a appelé qu'elle était au Bénis, elle m'a dit qu'elle était tombée des escaliers, elle s'est ouverte à l'arcade, elle a saigné du nez, elle passe la nuit à l'hôpital. Aïe, 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 aïe. Peut-être une intoxication alimentaire et elle est allergique aux ananas. Ça, c'est le capitaine, ça. Il a essayé de la tuer 100%. J'ai pas pris d'ananas. Et mes respects. Respect 50. Et mes respects. Et elle a vomi plusieurs fois quand on était à l'hôpital. Donc, Adam 52, 10, 23, 10, 6, DPRH. Matin pour 77. Il a pris une fin de service. Il a pas mis son Léo à jour. Je vais l'encastrer. Ah. Bah, je vais peut-être pas l'encastrer du coup. Ouais, attention, Vatsa, vous êtes tout blanc non plus. J'ai dû plusieurs fois vous atteindre du Léo. Je vous ai mis sur le Léo, hein, vous l'avez pas mis. Hein. Oui, mais. C'est... Un point partout, capitaine. Oui, 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 oui. Starsky, Hutch. 0917, bonne soirée. En tout cas, c'est pas un deuxième enfant, ça c'est confirmé. Vous êtes sauvé, capitaine. Oui. Adam 02, fin de 16 PDPRH, reprise 1041, secteur sud. Capitaine, ça va rester très calme ce soir. Y'a plus que nous, et 52. Surtout les derniers vols de véhicules. Bon, les vols de véhicules, c'est trop tard. Hein. Non, ceci, on est encore en train de faire des photos ou quoi, comme des apparitions. Je croyais qu'on allait pouvoir faire une soirée tranquille de patrouille, capitaine. Bah non, fallait que le journaliste il vienne nous voir, quoi. C'est bien pour ça que vous m'avez en second. Et vous m'avez pas dégradé. Je suis vraiment le... Je suis vraiment... On est vraiment yin et yang. Je suis le terrain, vous êtes la prince et... Ça marche très bien. Moi ça me va, hein. Pas plus se compléter que ça. Ça, je trouve que ça me va très bien, hein. Ça marche très bien comme système et... Rien à redire. C'est carré. Carré dans l'axe. Carré dans l'axe, comme on dit. This is you, à la spélé. Bénisse le dernier 16. Ah ouais. Bonsoir. Adam 52, composé de 52 et 22. Ah, attendez. Winpocket a un petit problème. Ouais, j'ai cru comprendre, vous avez besoin de faire une sieste, allez-y. Vous avez un problème avec votre véhicule ? Ah si, j'ai eu les pneus crevés. Comment ça vous avez les pneus crevés ? Ah bah, pneus crevés, complètement, on me l'a totalement arraché. Vous voulez qu'on essaye de regarder si on a... Vous êtes monté dans votre véhicule ? Ah si, j'ai essayé, mais pas moyen, ça ouais. Démarre pas. Ouais, dommage. Vous auriez appelé tout de suite, on aurait pu faire des prélèvements. Bah disons que je sais qui est-ce qui a tapé, hein, c'est facile. Ouais, mais entre le savoir et le prouver, il y a deux mondes, hein. Ouais, c'est un nouveau gang qui se fait appeler les Maras. Marabunta, je sais pas quoi, là. On sait pas trop qui c'est, on les connaît pas. Hein. Vous allez pas voir sur ce qui se passe en ce moment sur... C'est une blague, monsieur Dia. Ah, j'espère bien.
J'ai appelé le... Comment on s'appelle? Du coup, le mécano du Nord, il devrait pas tarder à arriver, mais bon. Mais enfin, du moins, il m'a dit qu'il allait venir. Je lui ai donné ma position maintenant. S'il vient pas... On va attendre avec vous, histoire d'être sûr que vous soyez pris en charge, ne vous inquiétez pas. D'accord. Alors, personnellement, c'est pas contre vous, monsieur Dia, mais je vais pas quand même attendre 20 minutes ici, le temps qu'il arrive, s'il vient jamais. Hein. On va attendre un petit peu au cas où. Je vais quand même essayer de faire des prélèvements, capitaine, au cas où. Vous permettez que je rentre dans votre véhicule, monsieur Dia? Ah oui, allez-y. Ah, il est mal en point, hein. Ah bah quand je vous le dis. Oh, capitaine ils y ont été, mais... Capitaine mal en plus V. Ouais. J'ai une empreinte partielle. Mais ça se trouve c'est celle de monsieur Dia. Probablement, mais au moins on peut vérifier. On sait jamais, hein. Sinon c'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Ah je pense pas qu'ils ont essayé de rentrer, hein. On sait jamais. Elle a été verrouillée, la voiture, donc bon. Oh, après, si. Les fenêtres, elles sont pétées, hein. Votre pare-brise, il est pété. Ah, c'est pas faux. Après, c'est vous la police, hein. Bah, écoutez, de toute façon, si c'est votre empreinte qui ressort, non, pas de problème. C'est votre véhicule, on le sait, y a pas de souci. Si c'est une autre empreinte qui ressort, au moins, on aura peut-être une piste pour pouvoir amorcer des procédures derrière. Si, y a pas de problème. Je crois qu'il vous a oublié, il vous a perdu, le gars. Ce qui vient de passer, hein. Ah, bordel. Je viens de voir un truc passer, ouais. Attendez, je vais le rappeler. Je crois qu'il est avancé pour faire une manœuvre, hein, c'est possible aussi, mais... C'est possible. Ah, le voilà. Écoutez, on va vous laisser, nous. Ouais. D'accord, ça marche. Et bah, c'est une bonne soirée. On vous souhaite bonne chance et bonne soirée. Merci. Je vous recontacterai si j'ai des éléments qui peuvent apporter des preuves pour que vous fassiez un dépôt de plainte officiel. Histoire de pouvoir amorcer les procédures. Entre nous. De toute façon, je vous rappellerai quand même si j'ai des informations qui correspondent ou quoi que ce soit. D'ailleurs, à ce propos. Ouais, je sais qu'il faut que vous pointiez. C'est ça? Non, c'est fait. Ah. Je l'ai fait en début de soirée, tout se passe bien. Des nouvelles d'ailleurs à ce propos de ce bracelet J'ai vu monsieur le procureur rapidement tout à l'heure, mais il est pas resté très longtemps, donc je saurais pas vous dire. Je vais essayer de me renseigner encore une fois, mais on a eu pas mal de choses à gérer ces derniers jours. Excusez-moi, ça m'a même pas sorti de la tête. Bon, écoutez, à plus tard, monsieur Dia. Merci. Bonsoir. Vous avez vu les petites sales bêtes là? J'avais clairement envie de mettre des coups de matraque. Il va falloir faire des rapports pour eux. Vous savez, ça va être les contradictions qui vont être intéressantes, capitaine. Hein. Ouais, mais là, moi, ce qui me fait plus chier, c'est les rapports, parce qu'on va faire plein de vices de forme, parce qu'on n'a pas les photos de la fouille. Ah, moi, j'avais tout. Ouais, mais... Eh ouais. Après, les photos de la fouille, j'ai, parce qu'ils avaient tous un pistolet, donc au pire, je mettrais au hasard. Ça, y est, pas tellement de soucis. Coupable. Tous coupables. Vous avez vu monsieur Zander là et monsieur Russell là? Ils étaient contents de nous voir. Ah oui. Pour ça je reconnais, ça c'est un stop glissé ça. C'est un feu rouge glissé ça. Bon bah tant pis. Enfin, une moto là qui vient de faire son feu rouge, on pouvait pas le faire plus glisser. Carénage jaune, carrosserie noire. Ah oh, y'a pas d'espace grave. Hein. S'il fait ça devant une voiture de flic, j'imagine qu'il fait ça tout le temps, c'est pas très grave. Oh, on passe au quartier. On va voir les maras. Ah oui, c'est vrai qu'on peut là-bas. On va faire 4 tours dans le quartier, là. Soleil, pute. Éteignez-moi ça, ça. Comment? Il faut qu'il l'éteigne, là, je vais éteindre un câble.
On était 13 en début de soirée, on est 5. Ouais. 21 pour Adam 52. Adam 52 à l'écoute. Votre 10 73. Adam 52 composé de 52 ainsi que 22 en 10-41, secteur sud au niveau du quartier industriel. De 21 c'est 10-4. D'ailleurs il va falloir qu'on les fasse c'est toutes ces promotions comme ça. Ouf. Ça fait plus de primes à payer hein. Au pire quoi ? Je m'arrange avec le groupe. Je me fais élire commandant. Mmh. Pour motiver les promotions. Et non, et au moment où je passe commandant, je fais les autres en même temps. Mmh. Ça fait une pire coup. Bah, contacter le gouvernement. Hein. Ouais, mais est-ce que j'en ai vraiment envie ? C'est ça le problème. Parce que... Ah, ça c'est pas moi qui c'est pas moi de décider pour vous, capitaine. Ah ouais, je sais bien. Au moins ça évitera certains mails un petit peu désagréables. Et pas désagréables, je veux dire assez saugrenus. Coup de portière. Est-ce qu'on ne demanderait pas au peuple ? Enfin au peuple, quand je dis parle du peuple, je parle des agents. Vous voulez faire une élection interne ? Pas une élection interne, mais demander s'ils en veulent un. Parce que de toute façon, s'ils en veulent un, ce sera obligatoirement moi. Bah honnêtement pourquoi pas hein capitaine hein. Si ça peut les rassurer dans leur travail globalement on va pas se mentir hein ça changera pas grand chose à terme. Bah non ça changera rien. Oh, bon. S'ils en veulent un je le prends. On va peut-être juste attendre de finir d'avoir géré cette histoire avec 50 là, de laisser les shérifs à leur boulot. Ou sinon on s'en bat les couilles. Tout simplement ça changera pas grand chose non plus drastiquement. Parce que vous savez j'ai l'habitude en Russie de voir un peu le mal partout. Oh non mais ils vont 17, putain. Ah non 52 à 17, 22 non, ça veut dire qu'on va devoir le prendre parce que j'ai carrément pas envie. Oh on aura carrément pas le choix. Enfin on va rien faire à 3 en fait, c'est ça le truc. Ouf, ça va déjà pas grand chose hein. Putain, y'a le gars du weasel, on se taille. On est pas là. C'est bon, on en a rendu à devoir esquiver les gens, quoi. Honnêtement, s'il se passe pas grand chose, je pense que je resterai pas super tard. Hein. Adam 52, 10, 23 et 10, 42. Presque minuit. Ouais. Super triste. On va pas pu mettre de coup de portière là. 52, 17, bonne soirée, stay safe. That was cool. Oh. Ça c'est parce que je m'attendais pas à ça. Du coup il reste qui ? Bah nous deux. Et nous deux. Ah, ok, bon, c'était pas. Je reste encore. Juste pour dire que je reste. Après, il y a là des agents qui ont oublié d'enlever leur service.
Il a pas de mal. J'ai pas roulé à 200. Une fois ce soir, il fallait que ça sorte. Bah hier aussi, avant-hier aussi, hein, capitaine. Hein. C'est une poursuite hier. Oui, mais bon. C'est pas une poursuite à grosse vitesse, hein. C'est à côté de l'ancien Dropkick, je sais pas quoi. C'est à côté de l'ancien Labo, ça. Ah. Oui. Pardon, 02, 10, 97 sur le dernier, 10, 16, 10, 26, 4 km 7. Il sera pas pour moi là, j'ai une raison de rouler. Oui. Je crois que j'ai réussi à régler mes problèmes de mot de crâne, capitaine. Ah. Bénef. Tout en gardant ma bodycam. Un pur Robocop d'Honoran. Comment ? Un pur Robocop d'Honoran. C'est ça. Bah, ça peut arriver, hein, mais. Accrochez votre slip, cette route-là est dangereuse, hein, je vous prie. Mets ma ceinture, capitaine. Ces pauvres suspensions. Oh, on aura plus d'intérêt là-dessus, non? Oui. 02, 10, 22, 10, 97 sur les derniers deals, 10, 26, 5 km 7. Oui, c'est à côté. Bah tiens. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous mettre sur le côté s'il vous plaît? Oui, claro. Est-ce que vous pouvez couper... Non, restez dans le véhicule s'il vous plaît, remontez. Est-ce que vous pouvez couper le contact et mettre les clés sur le toit du véhicule? Passez par l'avant de votre véhicule, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me présenter un permis de conduire, s'il vous plaît, monsieur? Non, il n'est pas mon permis de conduire. Vous n'avez pas votre permis de conduire? Non, mais on pourra se dépêcher, mon hermano, il n'est pas bien du tout. Donc. Il a besoin d'aller à l'hôpital, c'est pour ça que vous avez fait un drift? Si. Vous n'étiez pas dans mon sens, hein? Si. On va vous escorter jusqu'à l'hôpital dans ce cas-là. Gracias. Enfin, je vais conduire le véhicule, par contre, hein, si vous n'avez pas le permis. Si. Faites carrément tout mon win. Vous inquiétez pas. Carrément, t'as pas intérêt à les froisser. C'est carrément quoi ton matricule? 21. Carrément, ça, le 21. Vous savez pourquoi on vous a contrôlé du coup? C'est à cause du drift. Oui. Carrément, ça m'embine, ça t'arrive de fou ça. Ah putain, les malheureux, espèce de folie. Qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur? Ah, carrément des trucs pas jolis. Comment? Carrément des trucs. D'accord. Mais quoi comme truc? D'accord, super. Carrément, j'ai mal au ventre. Vous avez mangé un truc bizarre? Je vais pas te faire un schéma et tout. Non, carrément, je m'en devais que de Kit Kat, c'est super une bonne alimentation, c'est carrément pas ça. Vous avez fait frapper dessus? Planté? Carrément pas. Y'a un enfoiré de merde. Et je te donne sa putain de voiture de merde. J'espère qu'il crevait sur le caniveau. Quelque chose bleu. Il s'est fait rouler sur le pied par une coachée. D'accord. Vous avez un descriptif de la voiture? Carrément, c'était une petite voiture de berline rouge là. Carrément, c'est parti en. Comment t'appelles ça toi quand tu pars sans faire le truc là? Bah, en délit de fuite. Non. C'est clair, un truc comme ça là, les parties. En assistant sa personne danger, ce genre de choses. Voilà, espèce d'enfoiré. Si je la retrouve, carrément, je fais des trous. Carrément, j'appelle la police, clairement, si je la croise. C'était une petite coachée.
comment dire, marron ou noir, et de la grâce jaune. Carrément, ma foule. Ok. Carrément ça. Je pourrais pas vous dire de madone. Je vais vous accompagner pour vous faire soigner, monsieur. Putain, c'est grâce. Je vous en prie. Vous pouvez vous appuyer sur moi si vous avez besoin. Si vous voulez que je vous porte, faut pas hésiter, non, je vais vous porter également. Pas. Monsieur le... Enfin, capitaine, le monsieur dans la voiture n'a pas son permis de conduire. Il était conducteur dans le du véhicule. Mais carrément, il s'est dépêché tout. Oui, non. Des éléments que l'on peut entendre, il y a des priorités, mais le fait est qu'il était quand même en train de conduire un véhicule sans permis. Là, vu que c'était pour vous filer un coup de main, j'imagine qu'on va l'emmener juste passer son permis, mais... Je vous laisse voir avec l'interne. Carrément. Putain, t'as pas un peu d'argent. T'as pas un truc pour moi, s'il te plaît. Vous avez combien sur vous? Parce que j'ai pas grand chose sur moi pour le coup. J'ai carrément rien. Oui. Carrément, t'es bien payé, toi. Ouais. Mais vous pouvez pas payer avec votre carte de crédit? Moi, j'ai 50 dollars. Vous pouvez pas payer avec votre carte de crédit, normalement? Ah, je sais pas. Ah, c'est clair, hein. Ouais, c'est ce qui me semblait. Putain, j'ai carrément rien. Il vous a donné de l'ultra-levure, un truc comme ça, non? Qu'est? Il vous a donné de l'ultra-levure, un truc comme ça, un truc pour le mal de bide? Putain, ça m'a... Ah, je fais tout casser. Qu'est-ce qui vous arrive? Carrément, il m'a fait payer, mais il m'a pas soigné cette foire d'interne. Ah ouais? Comment je vais lui faire un film de coups, sous là? Ouais, je vais chercher un interne, j'arrive. Yo, la police! Alors, excuse-moi, va falloir que je coupe un peu le visuel deux secondes. Pour des raisons... que je ne peux pas stipuler ici. Voilà, pardon. J'ai fait des études pour son permis qu'il avait passé, mais si je le recroise, je nique sa mère. On y va au bluff, capitaine? Oh oui. Ok. Bah, sauf si on... Ouais, je vais pas vous mentir, le gars il a passé un call radio quand il rentre dans son véhicule donc. Tu dis bleu. Moto aussi.
pas mal ici. On est cramé, on est cramé. Oui, oui. Et bonsoir. Et bonsoir. Tranquillement. Ça va, vous? Ouais, ouais. Ah, mais c'est encore vous? Ah, c'est toujours nous, hein. Comment il fait trop beau. Attends, vous avez loupé un de ces spectacles, je suis abattu carrément. Vous parlez du personne que vous avez, de la personne qui est par terre là-bas? Non, non, carrément pas. Vous parlez de quoi? De la personne qui est par terre là-bas? Non, non, c'était il y a... Ou de celle qui est encore juste après? De quoi? C'est quand même beaucoup de personnes, hein. Mais de quoi? Bah... qui ont pas l'air super, super bien. Ah ouais? Leur état normal, en tout cas. Oh, mais après, vous croyez, c'est moi, je m'amuse, là, je marche et je tape des gens, non, non, rien à foutre, non, non, je parlais d'avant, mais vous étiez pas là, vous avez fait quoi? Ouais, petit combat, tranquillement, avec des, ouais, des gardes de maricones, là. Ah, parce que là, on était un peu occupé, on était en train de transporter un de vos gars à l'hôpital, donc on peut pas tout faire. Oh, je sais, c'est une merde, mais je sais pas trop ce qui lui est arrivé, ouais. De ce que j'ai compris, il y a un citoyen qui l'a fauché ou un truc comme ça. Ouais, ouais, trop bizarre l'histoire, je crois même que c'était carrément les maîtres nageurs, là, les bâtards. Oh, les sales bêtes. Ouais, ouais. Globalement, on l'a emmené à l'hôpital, du coup on n'a pas pu participer à la fête, quoi. Dommage, dommage. Une prochaine fois, ça va arriver souvent, peut-être à l'heure même. Si vous voulez faire des petits tours vers la fête foraine et la playa ce soir... Ouais, on va penser à faire ça, hein. Là, ouais, ouais, vous êtes venu tout seul? Non, non, carrément pas. Ah, je vous le disais. Non, non, non. Et où votre ami? On est carrément au chaud, où s'y était, là, par hasard. Comment? On est carrément 7 ou 8, là, dans le coin. On se baladait tranquillement, là je les attends, on va rentrer bientôt. Ok, 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 ok. Vous aurez que là, j'ai vu la moto à côté, je me suis dit quand même. Seul? Oh, j'avais non, pas non, il y a ma bécane, la tulipe, et il y a les Hermano avec le Moonbin, là, normalement. Ils sont à l'hôpital avec le médecin. Ouais, ouais. Le capitaine était fort sympathique, il a donné de l'argent à celui qui conduisait pour qu'il passe son permis, vu qu'il était en défaut, plutôt que de lui mettre une procédure. Oh, c'est trop simple. Trop sympa. Et j'ai toujours su qu'il avait le cœur sur la main, lui. Ah oui, le capitaine, c'est un tendre, hein. Ouais, 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 trop. Surtout dans les ruelles, il est trop tendre, trop doux. Vos copains aussi. Non, c'est non. Mais ah. C'est oui. Oui. Ouais, ouais. Coupable, c'est coupable. Bon alors, il y a toujours pas les autres connards, là, à la salle de sport. Vous parlez de quels autres connards? Je parlais des autres bâtards là. De ceux qui se prennent pour des latinos là. Les vagos. Ah! Vous vous avez contre eux encore là? Mais quand vous avez terminé, vous revenez à la tulipe, terminé de marcher. Quoi? T'as dit quoi, 21? Si vous avez contre eux? C'est des merdes déjà, ils croient à la Santa Maria pour commencer. Viva la Santa Maria. Quoi? J'ai dit viva la Mara. Ah ok, j'ai mal compris carrément. Ah oui, bah oui, clairement. Mais non, je sais pas, c'est tout carrément. Ok. On va leur mettre des petites claques sur le cul là pour leur montrer c'est quoi des latinos de la caille et ces bâtards là. L'autre quand même, le vagos il m'a quand même sorti du pu des pieds. C'est pas très sympathique. Ouais, ouais, surtout grave mature. Ouais, ouais, ça faut pas trop demander non plus, hein. Ouais, non, c'est sûr. Ah bah les voilà vos potes, je me disais bien qu'il en manquait. Oh, il y en a une petite paire. Lui, il marche trop lentement, il est trop chiant. Ah qu'il est... Ouais, ouais, mais son frère, c'est pareil, c'est ça qui est chiant. Bah, ils sont pas frères pour rien, quoi. Bah ouais. Vous allez vous fracasser à la salle de sport, en gros, c'est ça? Non, 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 là, on va faire un petit tour. Ça va, Hermana? C'est ça, posé sur la plage. Bah, ça va pas, non. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, ouais. Mais non, non, on verra, on verra. Ah bah on verra encore un autre. Juan, je te vois, tu cours grave vite et tout là, t'en es où? Il y a dans le fond. Après, on a encore rien eu ce soir. C'est trop chiant de marcher. Bonsoir. Flemme. Pas entendu. Ah, ils toussent. Attends, ils toussent. Faut lui taper dans le dos. Genre très fort et tout. Genre oui, comme ça, vous lui décollez les poumons, il finit à l'hôpital. Non, 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 genre tape comme ça. Tous, hermano, ça va aller. Tous.
Ah, oh, il sifflait. Je l'avais remarqué. C'est ouais. Il y a... Ça se crève des roues d'un VTT. Si, bah, ça essayez, crève, hein. Après, c'est de la destruction de biens, donc. Tous, hermano. Ouais, tous encore, hermano, ça va sortir, t'inquiète, c'est une chat dans la gorge. Oh, ça me fait tout le mal à la main, t'as par contre. Et tous. Oh, comme il est trop chiant. Viens m'aider à taper, bestia. Oh ta mère. Allez, la... Ah, c'est bon, elle m'a... Oh, sa mère, ça y est. Super, mon... ok. Tu m'as fait un décollement des poumons, carrément. Super. Si on voulait c'est ce que je viens de lui dire, hein, que vous allez finir à l'hôpital à force de taper, mais... Oh, ouais. Par contre, vous me désespérez, là. Oh, Tortuga, t'es en train d'engrainer tout le monde dans ton truc de la flemme. Tout le monde, il commence à avoir la flemme dans... Chez les maras, là, comment ça m'énerve. Mais ouais, mais t'as vu comment on marche toute la journée, là. Comment j'ai la flemme de m'énerver. On va te le redonner du la flemme. Bâtard. On va le mettre sous la flemme et tout. Mais il m'a pas entraîné, moi. J'avais tout le temps la flemme. Ouais, ouais. Pour aller faire casser les chats, on est les deux doigts de la main, carrément. Ok. C'est moi ta coloc, hein. Ouais, ouais. C'est quoi toutes ces merdes là? C'est pour les élections des chefs. Mon téléphone il fait que sonner carrément. Comment ça les résultats ils sont sur son fils? Ok. Fils. Je vois ça sur le Weasel News là carrément. Le fil de, d'actu. Ce fil, il y a un E à la fin couture, genre. Non. C'est le vote de quoi pour, pour le pour le shérif. Et du coup c'est Cortez qui a gagné. Ouais, c'est Madame Cortez qui a gagné. Ah, trop bien, j'aime trop. Une chica au pouvoir, si elle est trop bonne. Je peux essayer ton vélo carrément? Non, il veut pas, il est trop nul. Je peux l'essayer? Il est pas rigolo et tout. Hermano, oui, il répond même pas quand on lui parle, lui, il m'énerve. Non, c'est pas pareil. Si on est équivaut. Oh la sale bête qui essaie de les faucher depuis tout à l'heure. Hé, il va me rouler dessus, ce connard là. Il t'a roulé dessus. Pardon. Connard, va. Oui, mets le vélo. On y va, nous, capitaine? Apparemment, on va avoir de l'activité à la salle de muscu après. Faut qu'on s'est chauffé matraque. Pas trop tard, une fois passé minuit, non, mais je frappe fois, plus on droit. On va pas vous taper dessus carrément la soirée là, on est fatigué. Ah ouais. J'ai trop mal aux jambes, ce bouchard. C'est sur les autres connards qu'on va frapper là. Ouais, c'est mais si vous frappez eux, nous on va vous frapper vous. Ouais, tu bah, vas après, je vais te frapper faire. À toi. Eh bah, je vais frapper aussi. M'en fous. Ok. Ouais. Bon, t'es où? Allez, on y va. Allez, bonne soirée. Tiens, adios. À tout à l'heure. Ouais, gardez-le, c'est un don. Non, c'est un volé. C'est une location. Ouais. Tu l'as volé? Toi, c'est comment? 21. Ouais, ouais. Je vends un téléphone d'occasion, ça t'intéresse? Non. T'es sûr? Ouais. T'as la dépense qu'il y a il dessus bien, hein. Vous l'avez volé? Ah non, carrément. Pourquoi vous voulez donner un téléphone comme ça? Ah non, j'ai pas volé. Tu peux demander à un mec de Bénis, là, je lui ai vendu mon téléphone. C'est mon ancien téléphone. Et pourquoi vous vous en débarrassez? J'en ai acheté un nouveau. Ah, parce qu'en fait, regarde, il est trop bien le mien. À chaque fois, on revend l'ancien pour revenir dans nos chiffres, tu vois. Puis comme on est ric-lac. Tiens, tu peux regarder un peu à quoi il ressemble. Je le vends 200$, c'est cher. $200? Ouais. En plus, si tu veux donner plus, tu donnes plus, tu vois. Je vous donne toutes mes espèces. Mais attendez. C'est votre téléphone, madame, c'est ça? Si, c'était le mien, ouais. Alors attendez, monsieur, pour la vente. Gracias. De toute façon, on fait moitié-moitié. Oui. Si, il fait moitié-moitié. Et du coup, pourquoi elle monte? Elle doit 100$. Attends, mais carrément, je suis dégoûté, il est hyper tard. Oh, gracias, c'est trop gentil. Gracias. Allez, passez une bonne soirée. Adios. Si, toi aussi, 21, je suis dégoûté. Oui, adios. Je te l'ai dit tout à l'heure. Mais non. Mais si, quand on est arrivé, je t'ai dit, mais t'as vu comment il est super tard? Oh, je suis dégoûté. Il est grave tard et j'ai grave la flemme, ouais. Ouais. Toi aussi, t'as la flemme? Ouais. C'est énervé, ça. Tout le monde est fainéant. Du coup, t'as donné combien, là? Moi, je te dois $100. On l'a vu, capitaine, on l'a vu. La chasse est lancée, capitaine. Ah, faut qu'on repasse à côté d'eux, faut que je leur dise viva la Maria. Les Maria, viva les Maria. Non, viva la Maria, pour la Maria Cortez. On est où ça, là? Viva la Maria. La Maria? Ouais, c'est le shérif. Oh, les sales.
Ah, tu m'en dois sur la plage, je te casse. Ah, c'est. Ah, c'est lourd, hein. C'est quoi cette voiture là? Non, elle est vite, non? Ou c'est juste mon imaginaire? On fait un contrôle de police ici, bizarrement, complètement aléatoire. Contrôle quoi? D'alcoolémie, de permis, un contrôle de routine. Ouais. Non, mais c'est une blague, capitaine. Hein. Ah, c'est possible, hein. Pendant la pluie, ça, ça aussi, c'est dans votre code pénal? Non, c'est chez nous, ça. Ouais. Je suis persuadé que c'est dans le code pénal, ça. Là, je vais juste vous pisser chez nous, quoi. Et oui, c'est dans le code pénal, pour le coup. Attente à la pudeur. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Ouais, pourtant ça y est. Et c'est combien l'amende? C'est une infraction, donc c'est c'est du contraventionnel. Ils ont dit c'est interdit de pisser, c'est aussi dans le code pénal. C'est interdit de pisser en public. C'est pas interdit de pisser, c'est interdit de pisser dans la ville. Mais vous avez qu'à foutre des chiots publics aussi, carrément. On a fait pipi comme ça. Ça n'est pas notre job. Il y en a juste là-bas. Juste derrière le terrain là-bas. Oh, je te dois combien, dis-moi? Non, mais on va pas lui donner des sous. Rien, rien. Je vais chercher une glace, du coup. Après, elle va avoir envie de pisser, elle va pisser n'importe où et je vais être obligé de lui mettre une amende. S'il est toujours pas sorti de l'hôpital, reviens à la centrale. Et du coup, j'étais la seule à ne pas pisser, je peux avoir une récompense? Non. Ah, c'est juste dans l'autre sens. Ben, on va pas vous reposer d'être un citoyen lambda, quand même. Ouais, ouais. Putain, mais il a carrément sorti son chibre banal, lui. De toute façon, moi, je veux pas être une citoyenne lambda. Vous voulez être une super citoyenne? Une citoyenne lampadaire. Et vos collègues, ça va, il y a du renfort là? Ouais, ouais, tout partout. Oh ouais, bah allez. Tombe ballon. Il y en a partout là, ouais. Ça va, t'es. Ouais, non, c'est réglé là. Ça va, t'es pas trop fatigué? Oui. J'ai calé. Bah allez, trois fois. Et vive la Maria, hein. Ouais, ouais, cassez-vous, ouais. C'est chez nous maintenant. Non, non, c'est chez moi ici. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, barre-toi là. C'est chez moi, je te ouais, dis. C'est ça, ouais. Mais ferme ta gueule. C'est pas parce qu'on a cerclé qu'il y a des renforts que tu vas faire le malin. Ouais, ouais. Bah. Continue, on va rien faire, mais t'inquiète. Ouais, ouais, c'est ça. Tiens, te vois celui-là, bâtard. Ok, super, je vous renvoie. Tu me renvoies? Je vous le renvoie. Attention à la portière, attention à la portière. Le coup de portière, ce bâtard de 02, là, faites gaffe. Ah, ouais, ça bon, flippe, hein, ça flippe. Ferme ta gueule, ferme ta gueule, dégage ta caméra. Ouais, ouais. Grosse merde, là. Je suis choqué. T'as adopté, connard. Ouais, toi-même. Allez, j'en fais un tour, je vais me partir. Ils m'ont cherché. Ah, tiens, ils m'ont cherché là. Ouais. On va récupérer leur véhicule. Ouais, même peut-être faire un coup de partir sur un mec en moto. Ah, peut-être sur moto, ça peut. Oh là ! Ah, bah alors là. Non, en plus, les femmes elles sont correctes. Oh, y'a des pendejos derrière là. Bon, on a quand même beaucoup de trabajo là. Tu fais quoi, Salva? Move along, people! We don't want trouble! Pas grave. Ils ont été trop vifs, capitaine. Vachement vif, ouais. Ils ont clairement fait aucun stop, hein.
Et clairement que ça bombarde, hein. Ils sont partis à l'hôpital 100%. Il est toujours au même endroit, capitaine, il n'a pas bougé de place. Pas faux. Par contre, l'ancien 102, il s'est fait démonter aux élections. Bah, m'étonne. Ah, après, ça arrange pas mes affaires. Hein. Comment ça? Bah, il m'obéissait au doigt et à l'œil. On aurait pu avoir deux services pour nous, capitaine. Bon. À un moment donné, la charge de travail, merde, quoi. Il suffit de mettre les bonnes personnes de bonne place. Imaginez, Madame Cortès, 102 à la place de 101, et l'ancien 102 en place de 101, on pouvait donner des ordres à Madame Cortès. Et lui laisser gérer toute la paperasse et toute la merde. Et ça aurait été bénef. Faut laisser ces jeunes les gens s'amuser. Oui, globalement, après, pour vous mentir, j'ai clairement voté pour Madame Cortès quand même, hein. Ah! Bah, globalement, je me dis que ce sera plus simple pour eux. Et que s'ils pouvaient prendre un peu de temps pour former leurs agents plutôt que de nous les refourguer parce qu'ils sont pas capables de les former, ce serait quand même plus intéressant pour nous, quoi. On est gentil, mais. Ce sur 9, je sais pas ce qu'ils donnent en ce moment, hein. Faut que je leur prenne un peu en patrouille. Mais j'ai pas très envie de passer ma soirée au Bénis. Oh, calmez-vous là. Bon, vous passez vite fait à la salle de sport, même si maintenant qu'ils sont partis là-bas. Ils sont partis au quartier. Avec un petit coup de portière au passage. Puis ensuite un magnifique 10-19, 10-42-17 et on est bien. Soirée pas carton plein, mais ça, c'est déjà ok quoi. Alors disons clairement deal devant nous, hein. Enfin devant nous. Oh, on a failli se faire pitch, je reconnais. Deux fois, mais quelle bande de... Salope. Grande fou. Comment ? N'éveillons aucun soupçon. Ça fait tellement longtemps, capitaine, que j'ai pis de personne. Ça me manque, hein. Partir. Ah non, on a dit pas dans le quartier. Ou alors, par contre, il y a des trucs qu'on n'a pas trop le droit de faire, hein. Oula, oula. Votre boy au Moonbeam, là, il va comment? Vous avez un truc à commer, là? Il a un plâtre, comme. Il a un plâtre? À commer. C'est un bébé, c'est un bébé ou pas? C'est quoi, commer? Manger, boire. Vous allez pas croire, quand même, vous allez passer, là, vous stationnez à qui, là, ta mère? C'est pas un parking. Donne-moi un club sandwich. C'est vous qui vous nous arrêtez. Non, vous arrêtez pas, on fait beaucoup. J'ai trop mal au pied, carrément, j'arrive plus à marcher. Bah, c'est toi. T'en as deux, c'est pas grave. T'es tout sauté.
Tifon, on vous ramène à l'hôpital, hein. Je peux vous mettre en observation pour la nuit, hein. Non, non. Ouais. Ça dépend, c'est quoi la cam. Je sais pas, ça te regarde pas. Oh, vous avez pas de la coke par hasard? J'ai pas envie de l'acheter au bar. Ah, si, si, on en a plein dans nos saisies. Ah, ouais, je peux venir avec vous en plus. Perquisition. Oh, je suis là-bas. On a du stock, hein. Ah, ouais, on peut venir avec vous. Tu peux me ramener là-bas? On y est déjà allé. Je te remets. T'es glissé, moi je te monte dessus, bâtard. Map, la portière. Pas grave, t'en as 4. Ça repousse des portières. Quelle rose comme mon pied. Chè. Quoi? Allez, laissez les petits, on commence à m'énerver à traîner à qui là? Mais on nous a dit on pouvait. Bon, je vais poser ça. Passez, passe quoi tes connards. Eh oui, mais là, vous nous avez. Bah, je croyais qu'on avait le droit de poser nos tentes ici, nous. Comment la portière, je la garde dans ton couloir. La maison là, je voulais la louer, elle me paraissait intéressante. On nous a dit qu'on pouvait habiter là aussi. Bah, ouais. Aurait fait. Tu leur as dit qu'ils pouvaient habiter à qui? Ouais, ouais, vous pouvez venir habiter ici, mais en civil, carrément, pas planter des tentes. Ah, le problème, c'est que le capitaine et moi, en fait, on n'est jamais vraiment en civil, on est toujours en service, quoi. Et ben, tu peux pas vraiment jamais habiter à qui? Bah, j'habiterai quand même habiter ici. Et publicité mensongère. C'est mais ça. Non, hein. Tu peux venir, mais tu mets pas. Mais vraiment, tu veux qu'on soit voisins et tout? Bah, ouais. Mais carrément. Mais c'est trop chiant et tout, nous, on fait du bruit, on met de la musique et tout. C'est pas grave. Carrément, il était mieux. Si, c'est super. Ça fait comme ça. Pourquoi ils montent sous la côté? Mais c'est une dinguerie. Mais monte pas sur la voiture, ça va pourquoi? Ouais, allez, oh, circuler. Dans la ouais, par contre, là, faut circuler là, vous êtes ouais, en cercle là. Les couilles, on vous en cercle, c'est sûr. Allez, salut, bonne soirée. On est carrément en masse partout là. Putain. Mais c'est. Qui veut portière? Le capitaine de la portière, quoi. On va avoir une discussion avec leur réfé, là ça va pas. Hein. On nous dit on peut y habiter, après on nous dit on peut plus y habiter. Allez, on y retourne, on va foutre les embrouilles là. On y va avec les blindés, capitaine. Intervention blindée, on y va. On va voir si on a pas le droit d'habiter en blindé là-bas. Bon, bah... Je sens un léger courant d'air, capitaine, c'est normal. J'ai bien l'impression. Oh là. C'est quand 17, capitaine? Non, bah, quand même, on a tout donné là, je pense. Bah, on a perdu une portière, quoi. On a donné notre max. Ah, j'ai une preuve analysée. Ah, oui, c'est vrai. 0-2-7. Bon, analyse ça, analyse. Analyse ça plus vite. Ouais, non, c'est son nom à lui. Paf dans le nez, capitaine. Ah. Et ouais. Bonne nuit. Je vais faire la même façon, je vais aller carrément puter, j'en peux plus. Ah. Y'a quoi là?
Pousse. Y'a pas de pouce. Simulé, bouh. Bouh. Je vais vous passer dessus. Jack, descends de la voiture. Dépêche-toi. Et je te braque, là. Je te braque, oui. C'est moi qui te braque. Baisse ton arme. Non, c'est moi qui te braque. Baisse ton arme. Lève. Allez, sors de ma coachée, maintenant. Dépêche-toi, Romano. Tu veux que je te matare? Tiens, sinon dans un trou. Tu veux que je te matare à qui? Bah, allez, bouge de là. Allez, bonne soirée, capitaine. Bonne soirée, oui. Capitaine, putain. Le salaud. Ah. Allez hop, le petit phare qui est pété, let's go. Bon ouais, j'ai pas bougé, je fais une déco là, j'en peux plus de ma vie. Alors, hop. Chez qui je nous envoie? Chez qui je nous envoie? Godrak qui fait du Tarkov. Ah non, il y a Sosdat encore, Eltony. On va renvoyer Eltony en vrai. On va chez Sosdat. On va chez Sosdat en vrai. Ouais, jusqu'à 3 pistes devant, je suis désolé, mais je suis vraiment à chasse.